Merveilleux. Alors, dans les casquettes qui sont égales, enfin, j'ai une casquette supplémentaire qui est que je suis prof à Mines ParisTech, et à Mines ParisTech, on m'autorise à parler sans masque, parce que je ne sais pas faire un cours de 2 heures avec un masque, donc je vais faire un tout petit peu d'insubordination ici, parce que je suis à plus d'un mètre cinquante du premier rang, et qu'en plus, comme je suis vieux, mes virus sont affaiblis, voilà, donc je vais parler sans masque. Je le remettrai après, mais voilà, je transpirais pendant 25 minutes là-dedans, je vais avoir du mal. Je vais essayer, dans le bref laps de temps qui m'est imparti, de vous faire un condensé du cours précisément que je fais à Mines ParisTech. Donc, je suis désolé d'être impoli une deuxième fois en démarrant cette intervention en parlant de la concurrence. Mais vous avez en ligne les 24 heures de cours que je dispensais jusqu'à l'année dernière dans cet établissement. Parce que maintenant, on m'a rabioté à 18 pour laisser plein de place à d'autres, ce qui est une très bonne chose. Vous les avez sous trois formes différentes, à la fois des enregistrements vidéo, qui ne sont pas extraordinaires, une version avec les planches qui sont présentées et le son, ça c'est la meilleure que je vous conseille, et puis vous avez également des transcriptions écrites de l'ensemble des cours. Voilà, donc je vous renvoie à tout ça, parce que vous verrez quelque chose de beaucoup plus détaillé. Là, je vais faire quelque chose de très condensé. Alors, on pourrait se dire que la conférence d'aujourd'hui n'a pas lieu d'être, puisque dans la bonne ville de Paris, qui se trouve être en France, il y a quelques années, nous avons signé l'accord éponyme, donc l'accord de Paris, qui est censé résoudre le problème du climat. Donc, si on a résolu le problème du climat, c'est plus la peine de vous enquiquiner avec le problème du climat. En fait, ce que je vais vous montrer, c'est que les choses sont un peu plus compliquées que ça, et on va commencer, puisque nous sommes entre ingénieurs, par faire une petite expérience. Alors, la petite expérience, c'est que je regarde comment évolue l'élément perturbateur aujourd'hui dû aux hommes et aux femmes, soyons paritaires, du climat, qui est la quantité de gaz à effet de serre qu'on a dans l'atmosphère, et nommément la quantité de CO2, dioxyde de carbone, que nous avons dans l'atmosphère. Vous avez ici une courbe sur la quantité de CO2, présente dans l'atmosphère qui démarre en 1959, et qui est graduée en parties par million. Alors, une partie par million, c'est 1 millilitre par mètre cube. C'est ça, c'est des parties par million en volume, 1 millilitre par mètre cube. Alors, ce que vous voyez, c'est que la quantité de CO2 présente dans l'air augmente gentiment depuis le début de cette série. Vous pourrez même remarquer que ça augmente de plus en plus vite, donc que cette courbe n'est pas linéaire, mais qu'elle est convexe. D'accord? Ça s'accélère au cours du temps. Et alors maintenant, on va faire une expérience, on va se poser la question de savoir si, malgré tout le bien que je pense de la bonne ville de Genève en Suisse et des Nations Unies qu'elle héberge, si les conventions climat servent à quelque chose. Vous savez, de temps en temps, une fois par an, les pays se réunissent et puis ils discutent, etc. Alors voici l'année où a eu lieu la première réunion des signataires de la Convention climat des Nations Unies, qui a eu lieu en 1995 en Allemagne, présidée par une certaine Angela Merkel à l'époque. Pas l'Allemagne, hein, qui était ministre de l'Environnement, la COP. Et alors, question, vous êtes au banc d'essai, là, sur votre paillasse, et je vous dis, regardez la manière dont le CO2 évolue avant, puis regardez la manière dont ça évolue après. Est-ce que vous pensez que ça a eu un effet discriminant? Et alors, le premier étudiant qui me répond oui, je lui demande ce qu'il a bu la veille, combien d'heures il a dormi pendant la nuit, ou s'il n'a pas besoin de changer de lunettes. Parce qu'il est absolument évident, ce que vous voyez sur cette courbe, qu'il y a eu zéro effet discriminant à l'entrée en vigueur de cette convention. D'accord? Ça n'a rien changé en pratique, ça a augmenté avant, ça augmente après. 2 ans après, les pays de la planète signent puis ratifient le protocole de Kyoto qui demande à un certain nombre de pays de limiter leurs émissions en valeur absolue. Voilà, vous voyez avant, après. Alors là, vous avez Copenhague, qu'on a parfois qualifié d'échec. Oui, bon, ce n'est pas plus un échec qu'avant, c'était un succès. Et pas plus que Paris n'est un succès. Pour le moment, ce qui se passe aux Nations Unies est totalement indépendant de ce qui se passe dans la vraie vie. D'accord? Donc on peut se raconter ce qu'on veut. Et en fait, le succès ou l'échec d'une COP ne tient qu'à ce que le journal aura envie d'en dire. Mais rien d'autre. C'est juste l'envie du journaliste de dire que c'est un succès ou un échec. Pas d'autre conclusion à en tirer. Alors, la raison pour laquelle le CO2 augmente, c'est parce qu'on en met de plus en plus dans l'air. Vous avez ici une courbe qui vous donne depuis un siècle et demi les émissions de gaz à effet de serre que nous mettons dans l'atmosphère. Alors, un gaz à effet de serre, ça a une définition très simple en physique. C'est un gaz qui intercepte les infrarouges terrestres de grande longueur d'onde. C'est ça la définition d'un gaz à effet de serre. Donc, pour ceux d'entre vous qui sont familiers avec ce que je vais dire, c'est un gaz dont les orbitales, donc les électrons de la molécule, ont des transitions énergétiques exactement dans les gammes d'énergie des photons qui sont envoyés par la surface terrestre dans les grandes longueurs d'onde des infrarouges terrestres. Voilà, c'est ça que ça veut dire. C'est ça un gaz à effet de serre. Alors, le premier d'entre eux dans l'atmosphère, c'est la vapeur d'eau, mais l'homme n'a pas d'influence directe sur la teneur en vapeur d'eau de l'atmosphère, puisque la Terre est une grosse machine à évaporer, et nos émissions directes de vapeur d'eau n'ont absolument aucune espèce d'incidence sur la teneur atmosphérique en vapeur d'eau. Par contre, sur le CO2, on a un effet,
Donc on en met de plus en plus. Et il se trouve que le CO2 est un oxyde, dit oxyde de carbone. Il se trouve que les oxydes sont des molécules chimiquement très stables sur Terre. Par exemple, l'oxyde de fer. Le fer aujourd'hui est disponible sous forme d'oxyde de fer sur la planète. C'est le cas depuis qu'il y a de l'oxygène libre dans l'atmosphère. Et ça fait des centaines de millions d'années que c'est comme ça. Donc une fois que vous avez mis le fer sous forme d'oxyde de fer, il reste sous forme d'oxyde de fer. Il faut demander à Glencore d'aller le sortir, puis le réduire pour qu'on ait du fer. Eh bien, le CO2, une fois qu'il est dans l'air, il est éternel. Exactement pour la même raison. C'est-à-dire que cet oxyde est chimiquement stable, ne peut rien lui arriver, et il ne s'épure qu'au contact du sol par deux processus qui sont l'un physique, la dissolution dans l'océan, l'autre physico-chimique et endothermique, il faut de l'énergie, qui est la photosynthèse. La photosynthèse, pour ceux d'entre vous, ne le dites à personne, qui ont essayé de faire pousser des plantes dans un placard d'appartement, si vous ne mettez pas de la lumière, ça ne marche pas. D'accord ? Donc il faut de l'énergie. Sinon, sans énergie, ça ne fonctionne pas. Alors, à cause de ce caractère éternel du CO2, tant qu'il est au milieu de l'atmosphère, et des processus de reprise au contact du sol, qui sont des processus très lents, il se trouve qu'une fois que vous avez créé un surplus de CO2 dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il y a plus de CO2 dans l'atmosphère qu'avant, eh bien, ce surplus, il a une durée de vie qui est extrêmement longue, même si vous arrêtez les émissions. Et c'est la courbe que vous voyez là. Si demain matin, l'humanité arrête ses émissions supplémentaires, et on n'en prend pas le chemin, au bout d'un siècle, 40% du CO2 supplémentaire qu'on aura mis dans l'atmosphère sera toujours là. D'accord ? Donc, j'arrête l'expérience. Au bout d'un siècle, l'atmosphère ne s'est pas du tout remise en état. Il y a 40% du surplus de CO2 qu'on a créé depuis le début de l'ère industrielle qui est toujours là. Au bout d'un millénaire, pardon, vous avez 20% de ce surplus qui est toujours là, et ça pourrait être 30 ou 40, soit dit en passant, il y a une incertitude. Et enfin, au bout de 10 000 ans, vous avez au moins 10% de ce surplus qui sera toujours là. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que pour les années qu'il me reste à vivre, et pour les années qu'il vous reste à vivre, vous ne verrez jamais autre chose que le climat en état instable. L'idée qu'on pourrait revenir à une stabilité climatique en appuyant sur un bouton reset est malheureusement une idée qu'il faut se sortir de la tête. À partir de maintenant et pour le reste des temps historiques qu'il reste à l'humanité à vivre, le climat sera en état instable. Alors c'est un tout petit peu différent du monde dont on sort parce que depuis la dernière déglaciation, ça faisait 10 000 ans que le climat était globalement stable. Et c'est la raison pour laquelle on a pu développer sur Terre, pour laquelle se sont développées sur Terre des sociétés sédentaires. Parce que si le climat est très fortement variable au fil des années, vous n'avez pas la possibilité de vous sédentariser quelque part parce que les cultures adaptées telle année, 10 ans après, le sont plus. Les habitations adaptées telle année, 10 ans après, le sont plus, etc. Il a fallu une grande stabilité du climat pour que se développent les civilisations sédentaires qui ont notamment permis d'envoyer à l'EPFL de brillants jeunes Suisses. Et d'ailleurs, vous seriez, comme nos ancêtres lointains à l'époque où le climat était instable, des nomades courant derrière les animaux et les trucs qu'on arrivait à ramasser et se déplaçant au gré de l'évolution des zones qui étaient climatiquement favorables. Et donc on est en train de sortir de cette période de climat stable et je le redis, pour le reste des temps historiques que l'humanité connaîtra, le climat redeviendra instable. Il va y avoir une dérive climatique avec laquelle il va falloir qu'on vive forever à l'échelle des temps historiques. Ce qui est totalement nouveau et ce qui est évidemment l'essentiel de nos infrastructures, institutions et schémas culturels ne sont pas du tout adaptés à ça. Par ailleurs, ce qui n'est pas du tout adapté à ça, c'est les échelles de temps auxquelles on gère les problèmes, puisque vous voyez que les problèmes en question dépassent de très loin l'échelle d'une vie humaine, alors que nous avons pris l'habitude de gérer nos problèmes à des échelles de temps qui sont ridiculement courtes. C'est le temps d'une élection dans toutes les démocraties, c'est-à-dire quelques années. Alors la Suisse, c'est un peu mieux qu'ailleurs, parce que c'est moins volatile, mais quand même. La stratégie de long terme de n'importe quelle société cotée en bourse aujourd'hui, c'est 3 ans les bonnes années, 6 mois les mauvaises. Donc on s'est mis à gérer nos problèmes sur des pas de temps qui sont totalement hors sujet, j'ai envie de dire, à l'échelle du problème. En réponse à l'augmentation du CO2 dans l'air, la température planétaire va augmenter, mais ça n'est qu'un des marqueurs de la dérive climatique. Il y en a bien d'autres, je vais très rapidement les évoquer. La température de la surface, c'est le marqueur en fait, de la quantité globale d'énergie qui est embarquée dans le système. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça l'affaire, et ça va perturber bien d'autres marqueurs du système climatique, les précipitations, le degré d'humidité, avec notamment les conséquences que vous pouvez voir en ce moment ou depuis récemment en Australie, puis en Sibérie, puis en Californie, puis au Brésil, etc. Ça crame partout. Ce n'est pas juste une affaire de température.
Ce que vous voyez sur cette courbe, c'est que la température planétaire a déjà augmenté depuis un siècle, mais surtout ce que vous voyez, c'est que quel que soit le scénario d'émission, l'évolution des 20 prochaines années est déjà scellée. C'est la conséquence de la très longue durée de vie du CO2 dans l'air dont je viens de vous parler. Dit autrement, quoi que nous fassions demain matin, je dis bien quoi que nous fassions demain matin, la dérive des 20 prochaines années est la même. Si je commence à réduire les émissions planétaires demain matin, ça ne changera strictement rien à l'amplification inexorable des conséquences que nous aurons sur les 20 prochaines années. Dit autrement, ce qu'on est en train d'observer cette année, c'est un apéritif, quoi qu'on fasse sur les émissions. Quoi qu'on fasse sur les émissions. Donc il y a aussi un énorme sujet pour les ingénieurs de demain, c'est la question qu'on appelle de l'adaptation, sachant qu'on ne s'adapte pas à tout. Moi, je suis capable de m'adapter à 1 kg qui m'arrive sur la figure en tombant de 50 cm, je ne suis pas capable de m'adapter à 3 tonnes qui m'arrivent sur la figure en tombant de 10 mètres. Enfin, si je m'adapte, je deviens une galette et je suis mort. Mais c'est une forme d'adaptation, j'ai envie de dire, moins optimale que d'autres. Donc, on va prendre des baffes, c'est absolument évident, et une partie des baffes, on peut essayer de s'en accommoder, et une partie des baffes, on va juste les prendre. Donc, attendez-vous, malheureusement, c'est ça la mauvaise nouvelle, à vivre dans un monde instable, avec des surprises, à cause de ça. À cause de la physique, à cause du fait que le CO2 est un oxyde et qu'un oxyde, au milieu de l'air, il est éternel. Voilà. Vous avez maintenant une petite carte que j'adore pour illustrer à quel point la transition que nous sommes en train de mettre en route, malheureusement, a toutes les chances de nous conduire à des conséquences assez brutales. Vous avez ici une carte des écosystèmes qu'on trouve en Europe. Alors, je suis désolé, depuis le temps que je monte cette carte, il faut enlever actuel et vous mettez fin du XXe siècle à la place. Parce que c'est déjà plus trop actuel, si on leur fiche la paix et qu'on ne les supprime pas pour faire des choses essentielles comme le campus de l'EPFL et des choses accessoires comme des champs, des routes, etc., et la bibliothèque François Mitterrand. Donc, si on fiche la paix aux écosystèmes, ce que nous avons en Europe, c'est des forêts, pour l'essentiel. Ça veut dire que les conditions climatiques historiques sont suffisamment humides pour qu'ils poussent des grosses espèces végétales et ni trop froides ni trop chaudes pour qu'ils poussent des grosses espèces végétales. Alors maintenant, on va faire un saut dans le passé. On ne va pas regarder l'avenir, on va faire un saut dans le passé. Voici l'Europe il y a 20 000 ans. Alors, il y a 20 000 ans, nous sommes au cœur de la dernière ère glaciaire. Vous savez que le climat sur Terre a toujours varié naturellement. Il n'y a pas que les hommes qui sont capables de faire varier le climat. Mais les pas de temps n'étaient évidemment pas les mêmes. Et donc, dans le cadre des variations naturelles du climat, que je détaille largement dans mon cours aux mines, eh bien, vous avez, il y a 20 000 ans, un état pour l'Europe qui est beaucoup plus froid, dû au fait que l'insolation solaire efficace reçue par la Terre est plus faible. Alors, la première chose que vous voyez, c'est que, indépendamment des relations de la Suisse avec l'Union européenne, il n'y a pas d'Erasmus en Suède, puisque, donc, il faut aller ailleurs pour boire de l'aquavit, puisque la Suède est sous la glace, exactement comme la Finlande, la Norvège, le Danemark, une partie nord de l'Allemagne, etc. Tant mieux pour les rugbymen français, les Écossais et les Irlandais sont aussi sous la glace. Le Canada est également totalement sous la glace. Tout ça est recouvert par 3 km d'épaisseur de glace. Comme ce gros glaçon, il faut bien trouver de l'eau quelque part pour le faire. En fait, la nature a opéré un transfert d'eau depuis l'océan jusque ces calottes glaciaires. Et comme le fond de la baignoire, c'est-à-dire le fond de l'océan, est toujours au même endroit, si vous retirez beaucoup d'eau, le niveau de l'océan baisse. Et donc, il n'y a pas de navigateur suisse célèbre pour gagner des courses transmanches, parce qu'il n'y a plus de manche. D'accord ? Donc, M. Bourgnon ne sert plus à rien quand il y a une course sur la manche. Le climat est beaucoup... Alors, vous noterez également qu'il y a moins de Suisses qu'aujourd'hui, puisque une large partie de la Suisse est sous la glace, parce que les glaciers des Alpes sont considérablement plus importants, puisque vous connaissez évidemment par cœur la géologie suisse et le fait que vous avez quelques vallées glaciaires où il y avait de la glace dans l'ancien temps. Le climat étant beaucoup plus froid, il est beaucoup plus sec, parce que dans un monde froid, l'évaporation est beaucoup plus faible. Et donc, globalement, il y a moins de précipitations et une température beaucoup plus basse. Et ça ne permet l'installation d'écosystèmes que du type de ce qu'on trouve aujourd'hui au nord de la Sibérie. Donc l'Europe ressemble, pour la partie qui n'est pas englacée, à ce qu'on a actuellement au nord de la Sibérie. Et vous me pardonnerez de rester français, donc je vais m'intéresser à la population française. À l'époque, la population française est la population d'une ville suisse moyenne. Vous voyez, il n'y a pas de... c'est à peu près ça la taille de la population française qu'on autorise pour des animaux en bout de chaîne alimentaire dans ce genre d'écosystème. Quand l'Europe est passée de l'état de gauche à l'état de droite, manifestement, elle s'est réchauffée. C'est compliqué de faire disparaître les glaçons en les refroidissant.
Et le réchauffement planétaire dans le cadre duquel l'Europe a subi cette transformation de son paysage, c'est un réchauffement de 5 degrés. Donc la déglaciation qui a conduit à cette transformation de l'Europe, c'est 5 degrés de réchauffement à l'échelle planétaire en 5 à 10 000 ans. Donc là, vous voyez le résultat d'une expérience grandeur nature qui a eu lieu dans le passé, quelques degrés de variation de la moyenne en 5 à 10 000 ans. Alors maintenant, je vais vous la faire brève mais bonne. Quelques degrés de variation de la moyenne planétaire en un siècle, ça sera la guerre partout. Voilà, en gros, ce à quoi il faut s'attendre. Parce que le stress sur des sociétés sédentaires regroupant 8 milliards d'individus, au surplus dans un contexte énergétique qui va devenir moins facile, je vais y venir juste après, sera tel que ça va faire imploser la stabilité et la paix à peu près partout. Entre autres choses, on se prendra 50 millions ou 100 millions de réfugiés en Europe. Enfin, je veux dire, c'est absolument évident qu'on aura des tensions qui vont être féroces entre pays et que ça va, si on mène l'expérience jusqu'à son terme, conduire à un monde hostile. Je n'ai pas très très envie, à titre personnel, de laisser à votre génération ce genre de problème à gérer, parce que je pense que vous aurez un peu de mal. Il se trouve que c'est aussi très égoïstement la génération de mes enfants. Et je pense que les adultes devraient être, enfin au sens de Greta Thunberg, hein, c'est-à-dire ceux qui ont 50 ans aujourd'hui, devraient s'exciter un peu plus sur ce genre de sujet et un peu moins sur la 5G si on avait une claire hiérarchie des problèmes dans notre cervelle. Alors, entre autres conséquences, en voilà deux. Je n'ai pas le temps de détailler là non plus, mais vous trouverez ça dans mon cours. Ici, vous avez une analyse qui a été faite, qui a été publiée il y a 2 ans, dans la littérature scientifique. Alors oui, je vais aussi faire beaucoup de peine à la modératrice. La seule information primaire qui vaille en ce qui concerne ce problème se trouve dans la littérature scientifique. Tout ce qui ne se trouve pas dans la littérature scientifique, c'est du téléphone arabe dont vous ne connaissez pas le nombre de maillons intermédiaires et la qualité de transmission entre maillons. Donc quand vous voyez une information relative au climat, allez toujours, systématiquement, rechercher l'information primaire dans la littérature scientifique. Ce que je vous dis est vrai d'une manière générale pour tout sujet technique. Remontez à la littérature scientifique ou technique réfutée par les pairs. D'accord ? Ce que vous voyez ailleurs, c'est le téléphone arabe, et vous ne savez jamais s'il est de bonne qualité ou de mauvaise qualité. Vous vous rappelez, hein, le téléphone arabe, c'est on se met en rond, là, le premier chuchote une phrase à l'oreille du second, qui chuchote une phrase à l'oreille du troisième, etc. Puis quand on est arrivé au dixième, on regarde les différences avec la phrase initiale. Et pour tous ceux d'entre vous qui y ont joué, vous savez très bien qu'on n'a jamais la phrase initiale. Donc dans les médias, vous n'avez jamais ce qu'il y a dans les publications scientifiques. Vous en avez une version résumée et plus ou moins déformée selon la qualité du journaliste qui s'en est occupé. Voilà. Donc là, ce que vous avez, ça sort de la littérature scientifique, et c'est le nombre de jours avec un réchauffement planétaire de 4 degrés où les conditions extérieures deviennent invivables, mais invivables au sens premier du terme. Vous savez que votre corps est à 37 degrés. Alors en fait, la surface de votre corps n'est pas à 37, elle est plutôt à 35, sauf quand vous avez un grand coup de chaud parce qu'on vous dit quelque chose qui vous fait rougir, à ce moment ça monte un peu, mais sinon vous êtes à 35 degrés. Et si la température extérieure monte au-dessus de 35 degrés, vous avez quand même la possibilité de refroidir votre corps en évaporant de l'eau. D'accord ? C'est la transpiration. Ça ne marche que si l'air n'est pas saturé d'humidité. Donc si l'air ambiant est à 100% d'humidité, manque de peau, vous ne pouvez plus évaporer de l'eau, donc vous ne pouvez plus refroidir votre corps. Donc quand vous vous retrouvez au-delà de 35 degrés de température ambiante dans un air saturé à 100% d'humidité, vous mourrez parce que votre corps ne peut plus se refroidir. Donc vous mourrez d'hyperthermie. D'accord ? Donc c'est l'inverse de vous tomber dans une crevasse, c'est l'hypothermie, vous refroidissez, là c'est l'hyperthermie. Donc là vous avez le nombre de jours par an dans un monde réchauffé de 4 degrés où vous ne pouvez plus vous tenir dans les conditions d'extérieur. Alors vous voyez que ça englobe quand même quelques endroits où il y a un tout petit peu de monde, 1 milliard d'habitants, une partie des 2 milliards d'habitants. Donc qu'est-ce qui va se passer dans ces pays-là? Évidemment, les gens ne vont pas rester les bras croisés à attendre de mourir, ils vont bouger, ils vont aller ailleurs. Au niveau des températures stricto sensu, une partie de ces pays se retrouverait avec des conditions fréquemment plus chaudes que celles du Sahara. C'est pareil, les gens ne vont pas rester les bras croisés. Voilà, donc ça c'est un premier exemple de conséquences. Deuxième exemple de conséquences, le bassin méditerranéen va s'assécher. Donc ici vous avez l'évolution des précipitations en fonction de l'élévation de température moyenne. Donc ça c'est l'élévation de température moyenne, et là c'est la variation des précipitations. Ce que vous voyez pour MED, donc le bassin méditerranéen qui se trouve là, c'est qu'il va s'assécher. Alors la Suisse en fait partie au sens large, au sens du vous faites partie de l'ensemble de pays qui jouxtent le bassin méditerranéen. Et donc toute cette zone va s'assécher, ça ne va pas être terrible pour les cultures et ça ne va pas être terrible pour les forêts, mais notamment ça ne va pas être terrible pour la disponibilité alimentaire.
Si je généralise ce raisonnement, dans un des rapports du GIEC qui a été publié il y a maintenant un an, grosso modo, plus ou moins 6 mois, à mon âge, on ne sait plus, vous avez ce petit graphique. Alors c'était un rapport qui s'appelait « Changement climatique et terre ». Et ce que vous voyez, c'est que la conclusion des analyses qui ont été faites, c'est qu'à partir de 2,5 degrés ou 3 degrés de réchauffement de la température moyenne, vous avez de l'insécurité alimentaire qui se généralise partout sur la planète. Et là, l'histoire vous enseigne que l'insécurité alimentaire est un excellent facteur de déstabilisation des sociétés. Hein, en France, on a coupé la tête de notre roi l'année qui a suivi une grande famine en France. Le printemps arabe en 2011 a suivi une période d'inflation alimentaire intolérable pour les populations en 2010, etc. Enfin, je pourrais vous égrener plein d'exemples de cette nature. Donc on a, on ne parle encore une fois que d'exemples dans le passé. Donc on va avoir un sujet là-dessus de façon absolument évidente. Il y a plein d'autres conséquences, encore une fois, je n'ai pas le temps de détailler aujourd'hui. Ce à quoi je vais venir maintenant, c'est est-ce que je peux donner un cadre aux ingénieurs actuels et futurs sur la façon de prendre ce problème en compte. Alors vous avez ici une courbe qui, au premier ordre, peut se résumer à une droite, qui vous donne la réponse en température du système planétaire en fonction de la quantité totale de CO2 que j'aurais rajouté dans l'atmosphère entre l'ère pré-industrielle et 2100. Donc je prends la baignoire atmosphérique, je regarde la quantité totale de CO2 que je mets dedans, c'est ce qu'on appelle le budget carbone, entre 1850 et 2100, et les simulations me disent que j'ai une réponse linéaire de l'élévation de température, par contre pas des dégâts, hein, de l'élévation de température, en fonction de cette quantité totale de CO2 mise dans l'atmosphère. Alors, application numérique, comme on disait dans mon jeune temps, à la fin 2018, l'humanité a mis 2200 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère, au total, hein, en cumulé, et nous avons donc signé pour 1,5 degré d'élévation de température. Ce qui veut dire que les 1,5 degrés qui sont dans les accords de Paris comme étant un objectif à atteindre, eh bien, c'est un peu comme si moi, je me mettais d'accord avec d'autres personnes ayant mon âge sur ce qu'il convient de faire quand on a 25 ans. Si on veut, si ça nous amuse, ça passe le temps. Ça n'a aucune chance de se réaliser en pratique. Bon, donc là, les 1,5 degrés, c'est pareil, ils sont perdus. Ils n'ont aucune chance de se réaliser en pratique. Ils sont totalement embarqués dans nos émissions passées. D'accord ? Donc les 1,5 degrés, on va se les cogner de toute façon. Ce n'est pas la peine de faire des stratégies 1,5 degrés dans les entreprises. J'ai des clients qui me le demandent, hein, on le fait, mais je veux dire, on leur dit, vous le faites, mais c'est un exercice de style. 1,5 degré, c'est fini, c'est terminé, on ne verra plus. Si on veut 2 degrés, ben vous savez, l'avantage d'une droite, c'est que c'est bijectif, enfin, sauf si elle est horizontale ou verticale, là, ce n'est pas le cas. Et donc, si on veut 2 degrés, eh bien, machine arrière, ça veut dire que les hommes et les femmes ont le droit de mettre 3000 milliards de tonnes de CO2 au total dans l'atmosphère, dont 2250 ont déjà été émises. Donc, il nous en reste 750. C'est-à-dire que pour tous les gens qui vivent ou qui sont à vivre, ou sont à naître, d'ici à 2100, on a le droit d'émettre le tiers de ce que nos ancêtres ont émis sur le siècle qui vient de s'écouler. D'accord ? C'est ça que ça veut dire, très pratiquement, avec une humanité qui était en moyenne 3 fois moins nombreuse. C'est très exactement ça que ça veut dire. Donc la stratégie de degrés, ça veut dire en gros que le budget carbone d'un individu qui naît aujourd'hui, c'est le 9e du budget carbone de ses grands-parents. C'est très exactement ça que ça veut dire. Une autre manière de le dire, c'est qu'il faut que les émissions soient divisées par 3 d'ici à 2050, les émissions planétaires, et donc ça veut dire qu'elles doivent baisser, pour tous ceux d'entre vous qui savent demander à Excel de faire la racine 30e de 0,96, eh bien ça veut dire que ça doit baisser, de 0,3, ça veut dire que ça doit baisser de 4 à 5% par an, tous les ans, starting now. Il se trouve que 5% de baisse des émissions, c'est ce qu'on aura en 2020 grâce au Covid. Donc, le changement climatique, pour le résoudre, rester sous les 2 degrés, où nous allons avoir déjà des incendies bien pires que ceux qu'on a en Australie et en Californie, où nous allons avoir tout un tas de phénomènes bien pires que ceux qu'on constate aujourd'hui, hein, 2 degrés, eh bien, il faut qu'on ait un Covid supplémentaire tous les ans. C'est-à-dire que tous les ans, on se prenne 5% de baisse supplémentaire des émissions. C'est ça que ça veut dire, en pratique, de tenir les 2 degrés. Et ce que je vais vous montrer dans pas longtemps, c'est qu'on n'y arrivera jamais en essayant de marier ça avec la croissance économique. C'est juste impossible. Ça, physiquement, ça ne tient pas. Une des causes d'émissions, la voici, c'est que nous utilisons de plus en plus d'énergie.
Ce que vous voyez ici, c'est l'approvisionnement énergétique mondial des hommes et des femmes depuis un siècle et demi. Vous voyez, il y a un siècle et demi, on utilisait essentiellement de la biomasse, soit dit en passant, en causant de la déforestation. Ça nous servait à nous chauffer et à alimenter les forges et les premières machines à vapeur. On a rajouté là-dessus du charbon, qui n'a jamais cessé de croître, puis on a rajouté du pétrole, puis on a rajouté du gaz, puis on a rajouté de l'hydro, puis du nucléaire. Et là, le truc qui excite tout le monde, le PFL y compris, c'est-à-dire les nouvelles énergies renouvelables. Ce que vous avez en violet, là, c'est l'agrégat du solaire, de l'éolien, de l'énergie des vagues, du houlot moteur, du biogaz, de la géothermie, et de tous les machins poète-poète dont on remplit les colonnes de journaux. Je vous rappelle qu'il n'y a pas le moindre lien, c'est ce que je disais tout à l'heure, enfin c'est une autre manière de dire ce que j'ai dit tout à l'heure sur la littérature scientifique, il n'y a pas le moindre lien entre l'importance réelle des processus dans le monde et leur pagination dans le journal. Pas le moindre lien. D'accord ? Le journal parle de ce qui intéresse le journal parce que ça parle de ce qui intéresse ses lecteurs, parce que ça parle de ce qui intéresse la régie publicitaire pour tous les journaux privés, et ça correspond à d'autres déterminants les médias non publics, j'ai envie de dire. Ce que le journaliste est capable de comprendre, l'humeur de son chef du matin, tout un tas de trucs. Ça n'a strictement aucune raison, sauf par hasard, de correspondre à ce qui compte vraiment dans le monde. J'insiste vraiment là-dessus, hein, c'est aucune raison. Ce que vous voyez ici, de façon absolument évidente, c'est que cette quantité d'énergie augmente sans discontinuer, qu'il y a eu zéro baisse de la quantité d'énergie parce qu'on s'est mis à avoir plus de services dans l'économie. Donc le fait de rajouter des services dans l'économie n'est pas un facteur de dématérialisation au sens énergétique du terme de l'économie, pas de lien. Et que quand on s'est mis à mettre du numérique partout, ça n'a pas rendu l'économie plus efficace en faisant baisser la consommation d'énergie. En fait, c'est l'exact inverse. Le numérique est un inducteur de consommation d'énergie. On a rendu au Shift Project un rapport il y a à peu près un an sur l'impact énergétique et climatique du numérique. En fait, c'est pas très loin de ce qu'on peut faire le pire. au sens où le contenu carbone d'un dollar de valeur ajoutée dans le numérique n'arrête pas d'augmenter. Le numérique aujourd'hui, c'est 4% de l'empreinte carbone de la planète. Si je mets ensemble la fabrication des équipements, la fabrication des éléments de réseau et le fonctionnement de tout ça, la fabrication des serveurs, la fabrication des écrans connectés, etc., tout ça, c'est 4% des émissions et ça augmente de 8% par an. Donc si vous voulez chercher un truc non durable, le numérique c'est parfait, c'est l'exemple. Et 4% des émissions planétaires de gaz à effet de serre, c'est la même chose que la flotte mondiale de camions, c'est quasiment deux fois le transport aérien, pré-Covid, et au rythme où ça va, en 2025, le numérique ferait l'équivalent de la flotte mondiale de voitures en termes d'empreinte carbone. D'accord ? Donc c'est pas du tout dématérialisé le numérique, l'idée que le numérique est dématérialisé c'est une vue de l'esprit, c'est pas vrai du tout. L'essentiel de l'énergie aujourd'hui, c'est des combustibles fossiles et ça l'est de plus en plus. Alors pourquoi est-ce qu'on utilise de l'énergie ? Eh bien, on utilise de l'énergie parce que ça nous a permis de créer Iron Man en pièces détachées. Voilà, je vous présente Iron Man en pièces détachées. L'ensemble des machines que nous utilisons aujourd'hui sur Terre nous a transformés pour de vrai en Iron Man. Grâce aux engins de travaux publics, nous avons démultiplié la puissance des muscles des ouvriers par 10 000. Grâce aux avions, nous avons démultiplié la puissance des jambes du pilote par 1 million. Grâce aux laminoirs industriels, nous avons démultiplié la puissance des bras des ouvriers par 10 millions, grâce aux etc. Donc en fait, l'énergie c'est quoi ? C'est des croquettes pour machines, c'est ce qui permet à un parc d'esclaves mécaniques de travailler pour nous en ayant multiplié par plusieurs centaines la puissance musculaire de l'humanité. Une autre manière de dire ça, je vais vous montrer dans pas longtemps, c'est que l'économie mondiale se résume au parc de machines en fonctionnement. D'accord ? Moins de machines, moins d'économies, plus de machines, plus d'économies. Les hommes sont devenus indifférents dans le processus, ils servent juste à commander les machines, et si un jour on les remplace par de l'intelligence artificielle, ils serviront juste à regarder les machines bosser toutes seules. À ce moment, je ne sais pas ce qu'on fera, et je pense qu'on n'y arrivera jamais à cause des problèmes que je vous ai évoqués, mais c'est l'économie mondiale, c'est le parc de machines, c'est juste ça. Alors la Suisse, comme beaucoup de pays occidentaux, est dépendante aussi des énergies fossiles. Alors souvent, je ne sais pas si en Suisse c'est comme en France, mais en France, les débats énergétiques ont tendance à devenir des débats électriques. C'est-à-dire qu'on se focalise sur la production électrique et le reste, on ne le voit pas. Alors ici, je vous ai montré la part de chaque énergie dans l'approvisionnement des machines qui fonctionnent en Suisse. Et ce que vous voyez, c'est que la première énergie qu'on utilise en Suisse, c'est le pétrole. C'est ni l'hydroélectricité, ni le nucléaire, ni encore moins les énergies renouvelables. Et ce que vous voyez également, c'est que le moment où la part fossile a baissé en Suisse au début de cette série, dans les années 70, enfin 70, excusez-moi, pardon, c'est le moment où le nucléaire est monté en puissance. C'est très exactement ce qui s'est passé dans beaucoup de pays occidentaux. La part fossile évolue beaucoup plus lentement depuis qu'on s'intéresse à l'éolien et au solaire, pour une raison physique très simple, à laquelle je vais arriver tout de suite.
Alors, dans ce contexte-là, il y a plein de gens qui se disent, c'est génial, on va passer à 100% renouvelable et comme ça, on se débarrassera de tous les problèmes à la fois, plus d'approvisionnement, plus de problèmes géopolitiques avec le pétrole, etc. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le monde 100% renouvelable, on a énormément de points d'échantillonnage pour savoir à quoi il ressemble, parce que c'est le monde dont on sort. Voici un monde 100% renouvelable. En fait, le monde des hommes et des femmes, pendant toute la période qui est allée de la naissance de notre espèce jusqu'à il y a 2 siècles, a été 100% renouvelable. Ça ne pose aucun problème de faire un monde 100% renouvelable. Aucun problème. Je veux dire, on sait faire. Là, vous avez un monde dans lequel les transports fluviaux sont 100% renouvelables, les transports terrestres 100% renouvelables, l'industrie est 100% renouvelable. Vous avez des moulins à vent faits avec du lin et du bois, des moulins à eau faits avec du bois et des cours d'eau renouvelables, etc. Aucun problème de faire un monde 100% renouvelable. La question, c'est est-ce qu'on sait faire un monde 100% renouvelable en gardant le niveau de consommation industrielle que nous avons aujourd'hui avec 8 milliards d'individus. Et alors là, s'il y a des gens un peu audacieux dans la salle, je prends les paris à la sortie en allant voir un notaire pour être sûr que le pari sera bien enregistré. C'est évident que non, jamais on y arrivera. C'est les ordres de grandeur qui vous disent ça et la physique. Parce que revenir à un monde pilotable, parce que notre monde aujourd'hui est pilotable, en dépendant d'énergies qui sont diffuses et fatales, ce qui est le cas du vent et du soleil, c'est-à-dire qu'ils demandent beaucoup de moyens pour être extraits de l'environnement, c'est ça le problème, jamais ça ne nous donnera la puissance de feu, au vrai sens du terme, que nous avons tirée d'énergie concentrée et facile à transporter que sont les combustibles fossiles. Jamais. Donc le monde 100% renouvelable, il est possible, mais c'est un monde dans lequel votre pouvoir d'achat est divisé par 20. Voilà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est peut-être ça qu'il faut faire, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le faire, mais ce que nous vendent, parce qu'ils ne connaissent pas les ordres de grandeur, le monde politique... Ce que nous vend le monde politique en nous expliquant qu'on va y arriver les doigts dans le nez sans rien abandonner sur le reste, malheureusement, c'est un leurre. Hein. La réalité, c'est que quand vous regardez aujourd'hui comment s'organise la production économique mondiale, eh bien, vous voyez ici, vous avez une réponse à peu près linéaire à la quantité d'énergie, c'est-à-dire au parc de machines en fonctionnement que nous avons dans le monde. Et donc aujourd'hui, le pouvoir d'achat des gens et ce qu'on s'achète, c'est une fonction linéaire de la quantité de croquettes pour machines qu'on a à donner à manger à nos machines. Et comme ces croquettes pour machines sont désespérément fossiles, le drame des négociations climat, c'est que le PIB est aussi une fonction raisonnablement linéaire de la quantité de CO2 qu'on met dans l'atmosphère. La part des combustibles fossiles dans l'approvisionnement énergétique mondial, je n'ai pas mis la courbe, je l'ai posté sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps, est montée à 80% pendant l'industrialisation jusqu'au choc pétrolier, donc jusqu'en 1979, la part des combustibles fossiles dans l'ensemble des croquettes pour machines mondiales, donc l'énergie mondiale, est montée à 80%, et depuis les chocs pétroliers, c'est à 80%. Le nucléaire a déplacé ça de 1% à la surface de la planète, et, enfin, ou 2%, et, ce qu'on a, et le boom, entre guillemets, des ENR depuis 10 ans a déplacé ça de 1 ou 2%. Voilà. C'est 80% depuis bien avant que l'essentiel des gens dans cette salle soit né. Ce qui veut dire, et c'est par là que je vais conclure, qu'un monde dans lequel on lutte contre le CO2 à la bonne échelle est un monde récessif. Récessif. Et donc, que lutter contre le changement climatique, c'est déployer des innovations techniques, sociales et économiques dans un monde en contraction économique structurelle. C'est ça que ça veut dire. Donc, ce n'est pas un monde d'abondance dans lequel on peut régler ce problème en plus des autres. C'est un monde dans lequel... Si on règle ce problème, il y en a beaucoup d'autres qu'on ne pourra plus régler. Alors vous allez me dire, c'est horrible, on ne va pas y aller. Et je vais vous dire, ouais, manque de peau, vous allez y aller quand même, et moi aussi, parce qu'il y a une voiture balai dans cette affaire, je n'ai pas eu le temps de détailler, qui est que les combustibles fossiles mettant 300 millions d'années à se former, vous avez un petit théorème de maths que je t'ai encore démontré, qui vous dit que l'approvisionnement annuel de n'importe quoi, quand vous le tirez d'un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, petit théorème de maths, hein, à une limite à moins l'infini qui est nulle et une limite à plus l'infini qui est nulle et un maximum absolu entre les deux. Dit autrement, quand vous tapez dans un stock de départ qui est donné une fois pour toutes, l'approvisionnement annuel de ce stock ne peut rien faire d'autre que de partir de zéro, finir à zéro et passer par un maximum absolu entre les deux. Ce qui veut dire que tant pour le pétrole que pour le charbon, que pour le gaz, que pour le minerai de cuivre, le tantale, le zinc, le zirconium, le vanadium, le chrome et les diamants, nous passerons par un maximum à l'extraction annuelle de la croûte terrestre. C'est un théorème de maths. Or, c'est toutes ces ressources physiques qui nous permettent de structurer la machine économique et de faire fonctionner la machine économique. Donc, même si on ne veut pas,
D'accord ? Même si petit ours brun ne veut pas. Eh bien, il y a un moment de toute façon où nos moyens physiques, donc économiques, iront en décroissant. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Et donc, plus on attend pour régler les problèmes à forte inertie, tels que le changement climatique, plus on se condamne à ce qu'on se retrouve dans une situation dans laquelle on aura de moins en moins de moyens pour gérer des problèmes de plus en plus importants. Et à ce moment, c'est des craquements successifs dans le système, dont le Covid nous donne un avant-goût très, très timide, qui se chargeront de régler le problème à notre place. Voilà. Sur cette bonne nouvelle, je cède la parole. Merci beaucoup, Monsieur Jancovici, pour cette présentation déjà très complète. Alors, nous allons désormais accueillir sur scène Madame Julia Steinberger, qui est professeure à l'Université de Lausanne. Je vais la présenter brièvement. Donc, elle est professeure à l'Institut de géographie et de durabilité de l'UNIL depuis cet été. Et elle travaille particulièrement sur les enjeux sociétaux liés à l'impact sur les changements climatiques. Donc, on a bien vu, effectivement, lors de la présentation précédente, que impacts sociétaux, il y aura. Donc, physicienne de formation, elle a travaillé aux États-Unis, au Royaume-Uni, avant de venir à Lausanne. Vous êtes également l'une des auteurs du sixième rapport du GIEC à paraître en 2021. Et vous êtes également connue pour votre soutien au mouvement de grève pour le climat. Merci d'accueillir sur scène la professeure Julia Steinberger. Merci beaucoup. Alors bonjour, on va faire marcher tout ça, et moi je vais garder mon masque. Alors, je voulais vous parler un petit peu de comment être scientifique et ingénieur dans l'Anthropocène, et je pense que ma présentation s'accorde bien avec celle de Monsieur Jancovici, surtout qu'on a presque, on a même une image en commun, seulement une, je crois que j'ai compté. Alors, on va démarrer tout de suite. Alors, je vais vous parler un petit peu des bases de l'urgence climatique. Des inégalités des impacts et des inégalités des causes, ce qui sont très importantes pour moi pour une perspective d'ingénieur. Ensuite, la question que je me pose dans ma recherche, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce que c'est possible? Je vais vous y apporter deux réponses. Et si c'est possible, quels sont les obstacles à surmonter? Et un petit aperçu, comment changer de mission? C'est-à-dire que j'aimerais bien que les ingénieurs et les scientifiques changent de rôle. Alors on va parler de ça, j'espère. Alors, les bases scientifiques de l'urgence climatique, M. Jancovici vous en a déjà parlé. Ça, c'est une image de l'Ouest états-unien, très récente. Je vais vous parler un petit peu du rapport spécial du GIEC sur les 1,5 degrés. Donc, comme on l'a su pendant l'accord de Paris, les gouvernements, poussés par les pays les plus touchés, se sont mis d'accord sur 1,5 degrés comme but, mais rester en dessous de 2 degrés. Ensuite, ils se sont posé la question, mais est-ce qu'on sait s'il y a une différence entre 1,5 et 2 degrés? Et la réponse était qu'on ne sait pas très bien, donc ils ont demandé ce rapport spécial qui se focalise à savoir si 1,5 ou 2 degrés font une différence considérable. Alors, à quel niveau sommes-nous actuellement? Monsieur Jancovici vous en a parlé. Nous sommes à 1 degré actuel de réchauffement, 1 ou 1,1. Et donc là, on voit un petit peu les impacts que ce rapport a soulevé entre 1,5 et 2 degrés. Donc, ça, j'en ai juste catégorisé certains, mais il y a tout un rapport là-dessus, donc il y en a beaucoup plus. Les chaleurs mortelles, donc chaleur mortelle une fois au moins tous les 5 ans, toucherait à 1,5 degré 14% de la population mondiale, à 2 degrés 37% de la population mondiale. Donc, 2,6 fois pire. Donc, on voit un changement non linéaire. On voit déjà la non-linéarité. L'Arctique, libre de glace des mers en été, une fois tous les 100 ans à 1,5 degré, une fois tous les 10 ans à 2 degrés, donc 10 fois pire. Les espèces d'insectes qui perdent 50% de leur portée, hein, donc en voie de disparition, 6% ou 18%, donc 3 fois pire, et les récifs de corail disparaissent soit partiellement, enfin pour la plupart, c'est-à-dire entre 70 et 90%, ou disparition totale à 2 degrés. Donc on voit qu'il y a une différence énorme à chaque petit intervalle de réchauffement selon l'impact qu'on considère.
Donc, vers quelle température allons-nous actuellement? Ça, Monsieur Jankovici vous en a déjà parlé. Juste pour vous dire que les émissions continuent d'augmenter. Et nous sommes actuellement lancés entre 3 et 4 degrés. Donc, même si les initiatives que les gouvernements ont prises après l'accord de Paris sont tous mises en œuvre, nous serons à plus de 3 degrés de réchauffement. Alors, Monsieur Jankovici en a déjà parlé aussi, donc je ne vais pas vous en parler beaucoup plus, juste pour confirmer que nous sommes sortis de l'Holocène, c'est-à-dire la phase de notre civilisation, de la vie de notre espèce ou de la vie de la planète, où nous étions dans un ensemble de températures plus ou moins stable, qui est un petit peu l'enveloppe, je ne sais pas si ça marche. Ouais, super. Une température plus ou moins stable, c'est un petit peu la bande rose qui montre l'enveloppe de température de l'Holocène, qui sont les températures où, en effet, les humains ont réussi à développer l'agriculture, qui est, pour rappel, la technologie qui est encore la plus importante et nous dépendons tous le plus. Donc, si vous pensez à une technologie très, très importante, l'agriculture reste la plus fondamentale. Et nous sommes désormais, je pense qu'on peut dire que c'était environ, je ne sais pas trop, on va dire 2015 peut-être, sortie de l'Holocène. Et ça, c'est un voyage sans retour. C'est-à-dire que nous ne reviendrons pas à l'intérieur de notre vie ou à l'intérieur des centaines de prochaines années, à l'intérieur de cette Holocène. Donc, nous sommes dans un avenir très incertain, mais qui dépend encore de nous, qui dépend encore de en fait, ce qui nous reste à déterminer, c'est la largeur de l'impact et sa soudaineté. Donc, qui aurait pu le prévoir? Parce qu'on a eu beaucoup de débats, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, qui aurait pu le prévoir? J'adore cette graphique parce que ça démontre d'abord que la science a tout lieu d'être. C'est un graphique qui a un pouvoir prédictif assez énorme. C'est aussi un graphique qui nous provient de Exxon. À l'époque, ils n'étaient même pas encore ExxonMobil, c'était Exxon, donc la plus grande compagnie pétrolière états-unienne, qui, c'était un rapport interne, hein, ça, ils ne l'ont pas publié. Ce n'était pas publié dans les revues scientifiques ou dans la presse. Ils l'ont bien gardé en secret. Donc, on a seulement découvert que ça existait, il y a 2 ans, qui montre que, d'après eux, le taux de CO2 dans l'atmosphère va continuer à augmenter. Donc là, on a le taux de CO2 dans l'atmosphère. Et là, on a la température. Et donc là, c'était en 2018, quand j'ai regardé ça. Ils étaient exactement justes et ça continue à être exactement juste. Cette courbe montre le business as usual. Si on continue comme ça, on va continuer d'émettre du CO2, on va continuer de réchauffer la planète. Donc, quand cette même compagnie a mis des millions et des millions de dollars dans l'industrie de la désinformation et du déni du réchauffement climatique, c'était pas parce qu'ils croyaient pas que ça existait. Ils le savaient fort bien. Et donc, nous savons, eux le savaient, dans quel avenir nous allions. Nous n'en étions pas aussi conscients qu'eux. Et donc là, il faut aussi penser à l'enjeu économique et politique et, on va dire, civilisationnel de nos industries. Donc, certaines industries nous ont porté les yeux ouverts dans cet avenir et continuent à nous y pousser. Et donc là, je pense qu'il faut aussi réfléchir le positionnement des ingénieurs et des scientifiques. Ce sont des ingénieurs et des scientifiques qui ont travaillé à Exxon, qui ont fait ce rapport et qui l'ont gardé caché aussi pendant des décennies. Donc, comment est-ce que nous, on se positionne par rapport à ça? Est-ce qu'on continue de travailler pour ces compagnies et de faire ce qu'on nous mandate, ou est-ce qu'on se révolte un tout petit peu? Alors, je vais vous parler un petit peu des inégalités. Donc ça, c'est une image de nouveau. Alors, c'est le mois de septembre, pour l'instant, et ça continue, les impacts environnementaux liés au climat sont énormes. Et donc, les inondations, on ne parle pas assez de ce qui se passe dans le monde du Sud, on va dire. Mais les inondations au Soudan sont dévastatrices. Il y a des autres inondations que j'aurais pu vous montrer au Nigeria qui ont en gros détruit un quart de leur récolte de riz. Donc le Nigeria a des gros problèmes aussi, par exemple. Mais le Soudan, ces inondations sont absolument sans précédent. Ça, c'est le même graphique, celui de droite. Alors voilà, les inégalités dans le réchauffement climatique, c'est un des problèmes qui fait ressortir le plus les inégalités mondiales et économiques, donc internationales et intranationales. Et ça, ce sont deux graphiques qui sont plus ou moins l'inverse l'un de l'autre.
celui de gauche qui vous montre les émissions cumulatives par habitant depuis un petit peu le début de l'ère industrielle en 1750, et qui montre justement juste un impact parmi d'autres, le nombre de jours au-dessus du seuil mortel de température et d'humidité. Et ce que vous pouvez voir, c'est que les pays les plus touchés par les impacts sont aussi les moins responsables du réchauffement climatique. Et donc ça, nous serons tous touchés par le réchauffement climatique, mais la largeur et la sévérité des impacts se portent plutôt sur les régions internationales qui sont le moins responsables. Et il y a là-dedans un très très gros problème. Alors, nous avons voulu, dans mon équipe, on a voulu étudier les inégalités inter- et intranationales de la consommation énergétique. Donc on l'a fait et on l'a publié même dans Nature Energy, c'était super. Donc vous voyez le titre de notre article, une grande inégalité inter- et intranationale de consommation énergétique. Et puis on l'a fait passer dans les médias, c'est devenu Climate Change, the rich are to blame, international study finds. Donc, nous, on ne l'a pas dit comme ça, hein. Ça, c'est la BBC. Mais en gros, ils avaient raison. Ce qu'on a fait dans cette étude, c'est qu'on a regardé la mesure directe et indirecte. Donc, on a regardé l'empreinte énergétique internationale liée à la consommation de 86 pays qui contiennent des données de l'Union européenne et de la Banque mondiale, et divisé par classe de revenus et à l'intérieur des pays, et divisé par classe de produits. Donc en fait, on a un découpage super intéressant qui nous permet de dire plein de choses sur les inégalités de consommation énergétique. Alors ça, c'est juste pour vous montrer, on s'appelle ça en économie les courbes de Lorentz. Ça montre 100%, il faut que ça commence à 0 et que ça se termine à 1,1, 100% de l'utilisation d'une ressource est utilisée par 100% de la population concernée, mais entre deux, que se passe-t-il? Si on a une distribution complètement égale, on est sur cette ligne de l'égalité. Ce que vous pouvez voir, c'est que toutes les catégories de consommation énergétique sont inégales. Bon, c'est peut-être pas une surprise, mais à quel point elles sont inégales, là, peut-être. Et là, on peut voir que, là, par exemple, la consommation énergétique liée à la nourriture et à l'énergie résidentielle est moins large que la moyenne. Donc ça, ce sont les courbes vertes et oranges, mais que tout ce qui est lié au transport est plus inégal que la moyenne. Et on avait des données spécifiques sur le transport, plutôt pour les données de la Banque mondiale, donc sur le monde émergent. Et ce qu'on peut voir, c'est que... ce sont les trajets, l'énergie liée à l'aviation. Et ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, 50% de l'énergie est utilisée par moins de 5% de la population mondiale dans cette catégorie. Donc, il y a certaines catégories de consommation énergétique qui sont simplement énormément inégales. Ça nous a donc de faire ce genre d'études, ça nous a permis de catégoriser la consommation de produits par inégalité et par intensité énergétique. Donc, horizontalement, ce qu'on a, c'est le moins d'énergie par dollar dépensé, plus d'énergie par dollar dépensé, et comment ça se distribue à l'intérieur d'un pays. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt consommé par les classes pauvres ou plutôt consommé par les classes riches? Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'en tant qu'ingénieur, quel serait notre rôle là-dedans? Est-ce qu'on va se focaliser sur les trucs qui ne sont pas très intensifs énergétiquement? Probablement pas. Mais est-ce qu'on va se focaliser sur les trucs plutôt consommés par les riches ou plutôt consommés par le reste du monde? Et ce qui est surtout consommé par les classes plus pauvres, c'est la chaleur, l'électricité, ce qui est consommé dans les bâtiments. On peut voir aussi... où est-ce que c'est? La nourriture, ça c'est une étude sur l'énergie, donc pas sur les gaz à effet de serre au total. Autrement, la nourriture serait aussi plutôt par là. Et ce qu'on voit justement dans les catégories de consommation qui sont intensives énergétiquement et plutôt consommées par les riches, ce sont surtout du transport. Et ça, on a vraiment été surpris de voir à quel point c'était toutes les catégories de transport. Il n'y en a pas une qui se positionne autrement. D'un point de vue économique, on peut se dire, si on a quelque chose dans ce carré-là, on peut l'imposer, le réglementer. C'est-à-dire que si on agit dessus, on va agir généralement sur des gens qui ont les moyens. Ce n'est pas toujours le cas comme dans tous les pays, en France avec les gilets jaunes par exemple, mais de façon générale, globalement, on voit qu'on est dans ce genre de situation.
Par contre, pour tout ce qui est chaleur et électricité, si on veut le décarboniser, il faut qu'on ait un investissement public au niveau économique. Ce n'est pas possible que les populations elles-mêmes puissent se permettre de faire tout ce qui est rénovation, décarboniser le secteur électrique, etc. Donc ça nous permet d'apprendre quelque chose sur la distribution et sur l'inégalité de l'utilisation des ressources. Donc on a trouvé ça intéressant. Ça nous dit quelque chose sur la situation actuelle. Est-ce que c'est possible, par contre, avec ce genre de distribution de consommation, avec toutes ces inégalités, de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires ? Alors, il y a une économiste qui venait du secteur des ONG, elle a travaillé longtemps à Oxfam, qui a réfléchi là-dessus et qui a écrit un magnifique livre, La théorie du donut en français, que je vous recommande, et ça c'est Kate Raworth. Et elle a justement développé cette idée de donut, c'est-à-dire un beignet, où on pourrait avoir, pour conceptualiser le défi de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires. Alors, l'idée du donut, c'est qu'on commence par l'extérieur, on va dire que c'est un plafond écologique, ce sont les limites planétaires, les planetary boundaries, dont le réchauffement climatique fait partie et dont nous avons d'autres aussi. Et les limites intérieures, c'est un plafond social, c'est-à-dire un plancher social ou un seuil social, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être en insuffisance sociale. Donc l'idée du donut, mon masque n'arrête pas de tomber, c'est embêtant, mais c'est comme ça, c'est que si on se retrouve à l'intérieur de ce plancher social, c'est-à-dire qu'on est en déficience sociale, on n'a pas assez de consommation ou de services pour pouvoir vivre bien. Et si on est à l'extérieur, on est au-delà des limites planétaires et on va aussi avoir des gros problèmes. Donc il faut essayer d'ajuster l'équilibre entre les deux. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a trouvé cette idée du donut très intéressante et on s'est dit, voilà, on va regarder plein de données internationales, parce que c'est un petit peu ce qu'on fait, et on va essayer de voir s'il y a un seul pays internationalement qui serait dans ces limites. Alors, je vais vous montrer ce que ça donne. Ça, c'est pour la Suisse. La Suisse, on n'avait pas toutes les données. Mais on voit qu'on est bien au-delà de beaucoup de limites planétaires, donc les flèches rouges, ça vous montre un petit peu une mauvaise situation. Et puis on voit que les seuils sociaux sont quand même acquis pour la plupart, mais il nous a manqué plusieurs types de données dessus. Par contre, un autre pays comme le Sri Lanka, qui d'ailleurs se débrouille bien, toutes choses considérées, est en dessous des limites planétaires, de toutes les limites planétaires, mais n'a acquis que 3 seuils sociaux. Donc, est en déficience sociale sur beaucoup de ces seuils sociaux. Vous voyez beaucoup de blanc là-dedans. Voilà. Et puis, quand on regarde au niveau international, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé, on va montrer tous les pays et tous les indicateurs, et chaque fois qu'un pays est au-dessus d'un indicateur biophysique d'une limite planétaire, on l'augmente d'un cran sur ce graphique. Chaque fois qu'il a atteint un seuil social, on l'augmente d'un cran sur ce graphique. Et ce qu'on peut voir, c'est que le Sri Lanka est ici, donc a atteint 3 seuils sociaux et n'a transgressé aucune limite planétaire. La Suisse, on ne sait pas trop parce qu'on n'a pas eu toutes les données, mais probablement plutôt ou moins par là, transgressé plein de limites planétaires, mais acquis beaucoup de seuils sociaux. Le problème, c'est que là où on aimerait être, c'est là. Zéro limite planétaire transgressée et toutes les limites sociales, tous les seuils sociaux acquis. Et ce qu'on peut voir, c'est que c'est un quartier où il n'y a pas grand monde qui habite pour l'instant. Donc la question qu'on se pose, et puis par contre le quartier du pire et du pire, ça c'est tout à fait possible d'y habiter. Hein. Donc d'avoir transgressé toutes les limites planétaires, mais d'avoir très peu d'acquis sociaux, est aussi c'est tout à fait possible dans la réalité. Et la question qu'il faut qu'on se pose, et que j'aimerais que vous vous posiez comme ingénieur et que vous preniez avec vous, c'est comment est-ce qu'on part depuis là où on est maintenant pour arriver là où on veut être, y compris avec toutes les contraintes et tous les risques et les dangers qui nous arrivent dessus. C'est quand même une question utile à se poser. Donc, question, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible? Et la réponse est non. Pas dans la réalité internationale actuelle. Ok, c'est un peu déprimant. Voilà. Mais
Est-ce qu'on peut imaginer et modéliser un avenir différent? Et là, on s'est posé une autre question. On s'est dit, donc la réponse est oui, mais on peut imaginer un avenir différent, mais il faut se baser sur quelque chose. Et on a décidé de se baser sur la théorie de Decent Living Energy qui a été développée par le professeur Narasimha Rao, qui est actuellement à Yale University. Et cette théorie fait le lien entre les besoins humains et le bien-être humain et des niveaux minimums de services énergétiques dont on aurait besoin. Et je vous conseille de vous pencher sur ces recherches, elles sont super intéressantes et ça permet vraiment de réfléchir à quelle est l'utilité de consommation ou d'organisation de services matériaux et techniques. Alors, notre modèle global prend en compte des avancées technologiques, c'est-à-dire qu'on regarde les technologies les plus efficaces possibles, une égalité de distribution parfaite et une décroissance de la demande énergétique. Donc nous sommes dans un monde décroissant. Décroissant, mais super équitable, en tout cas par rapport à l'attribution des besoins énergétiques. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modélisé tout ça. Ce qui n'était pas très difficile, je dis c'est faux, c'était assez compliqué quand même. On était les premiers, plus ou moins les premiers à le faire, donc on s'est permis des simplifications. Et ce qu'on voit, c'est que nous sommes bien en dessous de là où sont les autres modèles. Alors là, par exemple, on voit les modèles du International Energy Agency, donc leur modèle de référence où l'énergie continue à croître. Et puis là, ils ont un modèle de durabilité où ça se stabilise plus ou moins. Il y a eu un autre Low Energy Demand Scenario d'Arnold Krubler, qui est la flèche bleue, qui nous porte à environ 250 hexajoules. Et notre modèle est bien en dessous de tous les autres modèles, autour des 150 hexajoules en 2050. Et ça, c'est pour chaque personne sur la planète en 2050, qui aurait tous ses besoins énergétiques satisfaits, mais pas de surconsommation. Et malgré la croissance démographique qui devrait continuer, en tout cas jusque-là. Donc, ce qu'on a pu estimer, c'est qu'une énergie suffisante aux besoins de tous en 2050 utiliserait 40% de notre consommation actuelle. Et ceci malgré une croissance démographique. Donc, question, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, est-ce possible? Et puis, on a une autre réponse qui est oui, mais seulement grâce à une transformation complète, axée sur la suffisance, l'équité et une efficacité technologique maximale. Et ça, je pense que c'est, j'espère, quelque chose qui vous permet de réfléchir aussi, comment est-ce que vous organiseriez votre travail dans ce genre de contexte? Est-ce que vous voulez être dans ce genre de transition? Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la façon dont il faut réfléchir et organiser notre travail? Ok. Si c'est possible, quels sont les obstacles à surmonter? Et je veux juste vous dire que l'obstacle à surmonter, ce n'est pas l'espèce de pauvre petit arbre là, qu'on a mis sous la 4x4. L'obstacle à surmonter, c'est plutôt la 4x4 elle-même. Juste petite information. Donc la réponse serait nos systèmes économiques et politiques qui sont basés sur la croissance et le profit à tout prix. Et donc là, je rejoins très très clairement M. Jankovici. La croissance n'est plus possible. Donc, dans mon équipe, on a décidé aussi de se pencher sur le côté socio-économique et d'économie politique de quelque chose. On a décidé d'essayer de réfléchir là-dessus. Pourquoi est-ce que nous dépendons, par exemple, tellement de la voiture? Donc, on a décidé de faire un papier sur, exactement avec ce titre, on a commencé avec ce titre, on l'a gardé jusqu'à la fin, une politique économique de la dépendance automobile. Et ce qui était super intéressant, et ça c'est juste pour vous dire aussi comment nous organisons notre savoir, j'ai travaillé avec des économistes et des experts du transport et des experts des technologies, et parmi les experts du transport, aucun ne s'était jamais posé la question de savoir comment les voitures arrivaient en ville. C'est-à-dire que dans les experts du transport, on ne considère pas l'industrie automobile comme étant un facteur d'intérêt ou de problème. On considère que les voitures arrivent dans un fleuve et qu'il faut ensuite gérer ces voitures une fois qu'elles arrivent. Donc se pencher sur cette industrie spécifiquement et sur les industries ces autres industries de production est quelque chose qu'il faut absolument commencer à faire. On aurait dû commencer à le faire beaucoup plus tôt, mais c'est quelque chose à prendre beaucoup plus au sérieux. Donc nous avons une approche systémique qui s'appelle Systems of Provision et on a décidé d'analyser cette création. On a d'une perspective historique, d'évolution de technologie aussi, et on a décidé que la dépendance
automobile ne pouvait que s'expliquer si on prenait en compte l'industrie automobile, l'industrie qui crée les routes et les parkings, qui est très 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 importante, la planification urbaine et ses règles qui souvent incitent à un certain type de consommation et mode de vie, l'abandon délibéré des transports publics, qui a été très très important et qui continue de l'être, et l'histoire de la culture de l'automobile, c'est-à-dire quel genre de culture est-ce que l'automobile a créé dans nos sociétés et continue à créer, à modifier nos cultures. Et je vous encourage à lire ce bouquin, c'est pas un bouquin, c'est juste un article, parce qu'il est assez lisible, même si vous n'êtes pas dans les sciences sociales ou économiques. Mais en gros, on l'a résumé dans un tableau que vous n'arriverez pas à lire ici, où on a regardé ces 5 facteurs et leur influence l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'on a fait une espèce d'anatomie, d'économie politique du verrouillage carbone, du verrouillage ou du verrouillement carbone, et je ne vais pas vous lire tout le tableau, parce qu'il est trop long, mais juste pour vous montrer un exemple, si on regarde juste l'industrie automobile et l'industrie des routes et des parkings, donc l'infrastructure de la voiture, si on investit dans l'infrastructure de la voiture, on en permet de vendre plus de voitures, on rehausse la valeur d'une voiture parce qu'il y a plus en plus d'infrastructures pour cette voiture elle-même, et on permet aussi d'enlever d'autres modes de transport. C'est-à-dire, plus on crée des infrastructures pour les voitures, plus on enlève de l'espace public aux autres. Donc, on permet à la voiture d'avoir une hégémonie. Et vice-versa, l'industrie automobile joue un rôle primordial dans le lobbying pour les nouvelles autoroutes, pour les infrastructures routières, et qui demande au gouvernement sans arrêt d'investir dans ces infrastructures. Et on a d'énormes subsides publics qui sont en fait aussi partie des subsides fossiles qu'il faudrait questionner. Donc, changer de mission pour la science et pour l'ingénierie, c'est un petit peu la question que je vous invite à vous poser avec nous. Est-ce qu'il faut continuer à travailler et à réfléchir dans un système économique et aussi un système de savoir et de pensée qui nous limite dans notre compréhension du système d'engrenage dans lequel nous sommes. C'est-à-dire, nous sommes dans un système économique qui est un système qui est énergisé par les énergies fossiles, mais qui est aussi étroitement lié dans les structures de pouvoir et de façon de prise de décision avec certaines industries, et qui favorise certains types de consommation, certains types d'inégalités et d'exploitation. Et est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt réfléchir dans nos sociétés et dans notre façon de faire notre travail à développer quelque chose d'autre? Et là, je vous montre une image, ça c'est Extinction Rebellion, qui ont des super architectes et ingénieurs apparemment, parce qu'ils ont réussi à créer cette structure incroyable qui leur, en bambou et en fil de fer, qui leur a permis de bloquer la presse. La presse au Royaume-Uni de Rupert Murdoch, qui fait beaucoup passer dans les médias les discours du déni climatique. Donc c'était pour mettre en lien ces choses-là. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une bonne application du savoir architectural, de comment on met en équilibre précaire des bambous. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à rejoindre un autre effort, à essayer de créer une nouvelle mission. Et il faut absolument que nous puissions utiliser nos talents au service de ceux qui sont les plus touchés par les inégalités, internationalement et nationalement. Et ces inégalités sont des inégalités de consommation et d'accès aux services, mais aussi des inégalités liées aux impacts du réchauffement climatique. Il faut absolument qu'on commence à réfléchir beaucoup plus au contexte des avancées technologiques et de savoir au service de quels consommateurs on se situe et au service de quelles industries on se situe. Et il faut aussi réfléchir à l'alliance des industries, parce qu'on peut se dire, par exemple, que le numérique, Google, Microsoft et Amazon sont super parce qu'ils dématérialisent l'économie. On sait que ce n'est pas vrai. Ce qu'on sait moins, c'est que ces industries forment des alliances spécifiques avec les industries fossiles parce qu'ils ont des enjeux financiers en commun. Et donc, qu'Amazon et Google, etc., essayent de mettre en avant des plans carbone super, de se donner une image très verte, et en même temps font des produits,
des conférences, des secteurs entiers de leurs opérations qui permettent aux industries fossiles d'extraire encore plus de pétrole, de gaz, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, auquel il faut vraiment porter un regard beaucoup plus critique. Et en résumé, est-ce que votre travail est au service d'une majorité de concitoyens? J'ai mal écrit. Je vois ça maintenant. De concitoyens pour leur permettre de vivre bien à l'intérieur des limites planétaires ou au service d'un système destructeur. Et je crois qu'on n'a pas tellement le choix, ça doit être soit l'un soit l'autre. Donc merci beaucoup. Veterli à nous rejoindre sur scène avec Monsieur Jancovici également. Nous allons bientôt commencer la partie table ronde. Mais avant toute chose, on voit qu'on a commencé à balayer un large spectre qui va de la recherche scientifique, l'état de la recherche scientifique, les méthodes d'ingénierie que l'on a. Mais ce panorama resterait incomplet si on ne s'intéressait pas un petit peu aux enjeux économiques, aux aspects économiques, et aux difficultés que cela pose à l'échelle des États et des grandes entreprises. Et c'est pour cela, pour parler de ces questions précisément, qu'a été créé le Club de Rome en 1968. Et nous avons la chance d'accueillir à distance, en vidéoconférence, Madame Dixon de Clèves, coprésidente du Club de Rome, qui est une ancienne de l'Agence des Nations Unies pour l'énergie durable pour tous. Et avant de passer à la table ronde, Madame Dixon de Clèves a enregistré un petit message vidéo qu'elle va nous diffuser. Pour l'instant, on est mal barré, je dois dire. On n'a que 10 ans pour mettre sur pied ce qu'il faut pour commencer à transformer le système. Malheureusement, ma réponse est non. La façon dont les cours académiquement sont enseignés, on manque d'imagination. Le blocage, c'est et on n'imagine pas ce qu'il faut pour vraiment transformer la société. Et deuxièmement, il n'y a pas les politiciens qu'il faut pour les mettre en vigueur. On est dans une crise existentielle qui est la plus grosse crise qu'on a jamais eue. Et maintenant, avec la convergence entre les crises de changement climatique, de perte de biodiversité et sur la santé, donc les pandémies zooniques qui, on sait, en plus sont des pandémies qui sont créées par le fait que l'humain est beaucoup trop proche de la nature, se force sur la nature. Nous sommes donc face à des crises qui vont se propager à une vitesse extraordinaire. On le voit déjà avec Covid, l'impact que ça a sur l'économie, et on ne va avoir que d'autres crises de la même ampleur qui vont continuer à avoir un impact sur l'économie. À l'échelle de la société, il faut d'abord essayer de sortir au plus vite de l'utilisation d'énergie fossile, parce que les émissions à effet de serre sont énormes. Donc désinvestir de l'énergie fossile et tripler les investissements annuels au niveau des investissements vers le renouvelable, l'efficacité énergétique. Il faut absolument changer la façon dont on utilise les matériaux, mettre en place une économie circulaire plutôt qu'une économie linéaire. Et puis troisièmement et fondamentalement, avoir une dimension humaine qui re-rentre dans la fondation de la façon dont on crée nos économies. Donc pas aller vers une économie basée sur la croissance à tout prix. On a une population qui est inégalitaire au niveau de leur accès à tout ce qui est essentiel, accès à la santé, accès à l'eau, accès à la nutrition et accès aux emplois. Pour nous, en fait, il faut être sûr qu'on diminue la consommation et qu'on accentue une valeur sur tout ce qui est essentiel pour l'être humain, pour sa survie. Et ça, c'est vraiment créer une économie de bien-être et pas une économie en fait déséquilibrée sur la croissance. Les économies qui sortent de Covid les plus puissantes, ce sont celles qui ont pris en compte l'économie de bien-être et qui en plus ont mieux communiqué avec le peuple. Il faut en fait recréer une connexion entre l'imagination et les ingénieurs qui créent la société de demain plutôt que de juste rentrer dans un motif de profit et de concurrence industrielle. Les ingénieurs d'avant étaient des ingénieurs qui pensaient au futur, qui pensaient à améliorer la vie des gens de tous les jours.
J'ai pris avec moi en fait ma fusée de Tintin. Et je la prends souvent pour montrer en fait qu'aujourd'hui, notre mission n'est pas une mission pour aller à la Lune. Maintenant, pour moi, la mission des ingénieurs et la mission de tout le monde, c'est de préserver la planète. Il ne faut pas qu'on aille ailleurs. Il faut qu'on trouve les solutions pour cette planète qui est notre maison d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette introduction. Madame Dixon de Clèves, on va peut-être commencer par une ou deux petites questions avec vous. Peut-être déjà rapidement pour réagir au discours de Madame von der Leyen à l'Europe, à la Commission européenne. Je crois qu'elle a annoncé pas beaucoup de choses hier, notamment des objectifs beaucoup plus ambitieux. Je ne sais pas si vous pouvez nous en dire quelques mots, nous expliquer un petit peu quelles sont les implications. Oui, absolument. Et d'abord, j'espère que vous pouvez m'écouter. Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être là avec vous, masquée, comme je vois déjà le panel l'est. Mais je suis ici à Bruxelles et je dois dire que je crois que plusieurs d'entre nous ont été fort touchés et vraiment encouragés par les déclarations qui ont été faites par la présidente von der Leyen hier. Et non seulement au niveau de sa déclaration concernant la diminution de 55% des émissions à effet de serre pour 2030, parce que ça c'est important, on passe de 40 à 55, il y en a certains comme Greta Thunberg et d'autres activistes qui trouvent que ce n'est pas assez, et c'est vrai, si on fait un vrai impact de notre économie, il faut qu'on diminue encore plus vite. Mais d'un autre côté, c'est vraiment un pas à l'avant vers, je dirais, une diminution qui est beaucoup plus efficace et qui sera vraiment très importante. Mais je crois que ce qui est encore plus important, c'est un peu lié à ce que j'ai essayé de dire concernant et la créativité des ingénieurs et le besoin de co-créer le futur. C'est que si on regarde son discours et si on regarde ce qu'elle essaye de dire dans son planning pour l'année et les années à suivre, tout est lié sur la co-création, le fait qu'en fait, on ne peut pas maintenant, dans cette pandémie, ne rien faire, qu'il faut vraiment dessiner le futur et le dessiner maintenant. Et alors, j'ajouterai encore un point que je trouve être très important, qu'elle mentionne encore une fois dans son discours, qui n'a jamais été dit avant. Et ça, c'est justement lié aussi à ma vidéo, le fait qu'il faut passer au-delà de la croissance à tout prix, qu'en fait, une économie qui est basée sur la consommation et sur la croissance n'est pas une économie de bien-être et qu'on a besoin en Europe d'une économie de bien-être pour tous les Européens et aussi pour démontrer au monde entier qu'on peut le faire et qu'on doit démontrer le leadership. Alors pour moi, ça, ce sont des points qui sont vraiment très importants et j'espère qu'ils vont impacter la façon dont on voit notre rôle en tant qu'étudiant dans les différentes disciplines, les vôtres inclus. Merci beaucoup pour cette réponse. Vous avez clairement déclaré dans la presse belge que le Covid, la crise du Covid avait peut-être permis de nous faire gagner 10 ans sur la lutte pour le climat. Alors concrètement, comment on fait pour passer à une économie de bien-être? Il me semble que dans son discours d'hier, Madame von der Leyen évoquait également un changement de gouvernance pour tout ce qui est les migrations, notamment les accueils de migrations en Europe. Donc on voit bien qu'on a quand même plusieurs facteurs de déstabilisation qui arrivent. Donc comment on fait dans ce contexte qui est quand même très compliqué pour changer de braquet pour arriver à cette économie de bien-être? Oui, non, c'est vraiment une très, très bonne question et bien sûr, ça démontre la complexité qu'on a devant nous. Je crois qu'on ne peut pas dire que ça va être facile. On ne peut pas dire qu'on peut tout de suite, en fait, transformer notre économie et ne pas, et on le voit déjà dans la réaction, en fait, des gouvernements en Europe, qu'on continue à protéger le passé, qu'on protège, en fait, les industries qui sont les plus puissantes maintenant et pas nécessairement les industries qui sont ou bien décarbonisées ou qui donnent vraiment les emplois nécessaires pour notre population. Donc, on est en train de passer dans une phase de crise. Et la question, c'est, dans une phase de crise, est-ce qu'on retourne vers le passé qu'on connaissait avant et une économie qui est vraiment basée sur l'énergie fossile, qui est basée sur certaines politiques de ne pas avoir l'immigration, ou est-ce qu'on ouvre nos frontières
on essaye de créer, d'innover les futurs emplois qui sont ouverts pour et les immigrants qui viennent et bien sûr les Européens en même temps. Et bien sûr, ça veut dire qu'il faudra créer ces emplois. Il faudra aussi parler, et ça, elle le mentionne aussi, d'un salaire universel. Et comment est-ce qu'on peut, bien sûr, essayer de trouver les fonds pour intégrer tout ça vers, en fait, la vision qu'on veut du futur? Il faut restructurer, en fait, nos finances pour regarder les besoins humains, sociaux et les besoins planétaires, environnementaux. Et pour l'instant, la plupart des finances vont plutôt vers le profit à tout prix. Donc, il faudra changer le système de finances. Et vous êtes en Suisse, donc je trouve que c'est très important et très approprié que je le dise, pour en fait la planète, la prospérité et aussi essayer de donner un meilleur bien-être aux beaucoup plus équitable pour la plupart des Européens et aussi d'autres peuples dans le monde entier. Donc, il faut tout à fait restructurer le système. Je vais peut-être terminer en disant ceci. On ne peut pas dire qu'on a une économie qui fonctionne bien pour l'instant. Donc, même si ça va être dur en aller vers l'avant, je crois qu'il est important de faire remarquer qu'on a le plus gros taux pourcentage de problèmes d'emploi pour les jeunes. On a aussi le plus gros taux de dépression et de burn-out qu'on n'a jamais vu chez les jeunes et de suicide. Donc, il y a un malaise dans la société comme on la voit aujourd'hui et il faut qu'on trouve des solutions qui soient équitables et qui puissent aussi regarder, bien sûr, cet influx de gens qu'on va avoir dans notre société et en particulier si on continue avec le changement climatique. Merci beaucoup. Alors, je vais poser une autre question, peut-être un petit peu plus spécifiquement destinée à M. Jancovici. Et encore une fois, sur chacune de mes questions, si un autre panéliste a une autre réaction complémentaire, n'hésitez pas, hein, c'est une discussion, c'est un échange. Donc, ma question, c'est dans ce contexte où on a une double contrainte énergie-climat que vous avez brièvement exposée, voilà, comment l'ingénieur peut adapter son rôle pour accompagner cette transition énergétique? Je vais être un peu plus précise. On a potentiellement le pic pétrolier derrière nous, potentiellement même le pic d'exploitation du gaz de schiste est peut-être même derrière nous. Mais à côté de ça, on voit bien souvent des solutions qui relèvent un peu du solutionnisme technologique. On va essayer de développer des techniques de séquestration carbone qui sont peut-être nécessaires, mais qui bien souvent laissent un peu penser que voilà, on a fait le travail et qu'on n'a pas besoin de changer notre mode de vie. Est-ce que comment l'ingénieur peut faire pour éviter de se retrouver dans cette situation où on attend qu'il invente la solution miracle? Et en quoi sa situation est-ce que sa situation est plus particulière que celle des autres citoyens ou pas? Bon, c'est une question un petit peu large, je ne sais pas ce que ça peut vous inspirer. Alors je vais essayer de résumer le métier de l'ingénieur en disant que pour moi, l'ingénieur, son job, c'est de faire de l'optimisation sous contrainte. Mmh. Ça a été ça historiquement son travail. Donc on part à un univers qui est contraint, et il est contraint, j'ai beaucoup aimé l'exposé de mon voisine de gauche, il est contraint à la fois par l'acceptation de ses concitoyens, donc le plancher social, et puis il est contraint par des choses qui ne dépendent pas de nous, c'est-à-dire les limites planétaires, les lois de la physique, etc. Et dans ce contexte-là, il fait de l'optimisation. Alors l'optimisation, ça ne veut pas dire qu'il est Dieu tout-puissant, ça veut dire qu'il fait ce qu'il peut. Voilà. Alors dans la première contrainte, et à mon avis celle-là, elle déforme le plancher social au sens de, elle déforme la hiérarchie de ce que nos concitoyens sont prêts à accepter, il y a un truc absolument crucial qui est le partage de l'information. Si je vous dis, j'ai l'intention de vous couper votre petit doigt de la main droite, vous allez me dire, ça ne va pas la tête, mais si je vous rajoute qu'il y a un cancer dedans et que si je ne le fais pas, vous allez mourir dans 2 ans, vous allez reconsidérer ma proposition. Ben, c'est exactement pareil en ce qui concerne la hiérarchie des efforts qu'on demande aux gens de faire. Moi, il y a un truc que je dis très souvent à mes étudiants, c'est ne vous faites pas d'illusions. En sortant de mon cours, vous avez appris quelque chose. Ce que la population dans son ensemble sait entre avant mon cours et après mon cours, c'est exactement la même chose. Donc toute votre vie durant, vous allez passer votre temps à discuter avec des gens qui ne savent pas ce que vous savez, ou vous ne savez pas s'ils savent ce que vous savez. Et donc, il y a un premier étage de la fusée, puisqu'on a vu la fusée, alors celle-là n'a qu'un seul étage du reste, mais le premier étage de la fusée, c'est de faire ce qu'on peut pour partager le socle de connaissances qui permet de discuter de la situation future sans malentendu. Tant que les gens ne savent pas, ils ne savent pas, donc c'est compliqué de leur demander de... Bon. Après, la deuxième chose, j'ai beaucoup aimé l'idée de choisir ses combats. Alors, quand on est jeune, on peut choisir son combat en s'en posant la question de chez qui on veut aller travailler.
Il se trouve que l'ingénieur a encore une chance dans le monde d'aujourd'hui, c'est qu'il fait moins partie que d'autres des catégories dont on se détourne au niveau de, enfin, qui sont peu employables, j'ai envie de dire. C'est plutôt une profession en général qui trouve encore plus ou moins facilement un job. Donc on a le choix. Et donc, on a le choix d'aller chez les uns ou chez les autres. Moi, dans ma génération, il y a énormément de gens qui ont suivi ma formation, qui sont allés faire de la finance de marché, pas complètement persuadés qu'ils ont rendu le meilleur service possible au monde en faisant ça. Donc, parce qu'une fois qu'on y est, pas vous faire d'illusions, on n'en sort pas si facilement que ça. Donc, le choix du premier secteur dans lequel vous allez travailler est un choix qui n'est pas anodin. Pour ceux d'entre vous qui sont encore dans cet établissement. Une fois qu'on est à l'intérieur, alors là, j'ai envie de dire, il y a une période de transition où malheureusement, on souffre en silence plus qu'autre chose. Donc une fois que vous avez décidé, comme ça a été très bien dit, est-ce que vous allez faire du smartphone à 700 €, ou est-ce que vous allez vous préoccuper de savoir comment on continue à faire pousser des trucs qui se mangent dans un monde avec moins d'eau qui tombe? Ça, c'est très discriminant. Une fois que vous êtes dedans, votre capacité d'influence dans vos jeunes années va être beaucoup plus faible. Et quand vous arrivez à des postes de pouvoir où vous commencez à pouvoir faire changer les choses, vous avez en général été formaté par 20 ans d'exercice dans votre filière professionnelle. Et là, c'est votre âge, comme le mien, qui fait que vous allez avoir du mal à être révolutionnaire. Sauf si vous avez une envie rentrée depuis 20 ans et que enfin vous pouvez la mettre à profit. Alors ça, je vois de temps en temps dans le monde économique. Mais c'est vraiment le début, quelque part, qui est extrêmement structurant. Alors pour les gens qui sont en cours de carrière et qui n'en peuvent plus, c'est toujours pareil. S'ils ont leur liberté de choix, leur première liberté de choix, c'est de quitter le navire qui ne leur va pas pour aller monter à bord d'un autre. C'est ça, en général, la première façon très, très pratique. Bon. Si vous restez à l'intérieur, vous n'y arriverez jamais tout seul. Parce que les entreprises comme les pays sont des structures dans lesquelles c'est l'arbitrage des pressions qui conduit souvent à prendre des décisions. Et donc, mon dernier petit conseil pratique, c'est que ceux qui sont déjà en activité et qui veulent faire bouger les choses de l'intérieur, vous n'y arriverez jamais seul. Donc, la première des choses à faire, c'est de trouver des alliés. Donc, il faut que vous ayez augmenté le nombre de gens qui pensent qu'il faut ramer dans la même direction de vous. Dernier point, à partir du moment, ça c'est un truc aussi qu'il faut avoir en tête, je vous rappelle que dans le monde économique, le profit est une obligation légale. Dit autrement, une entreprise qui ne fait jamais de profit et qui accumule les pertes, à un moment, elle cesse d'exister. Bon. Donc c'est une condition aux limites qui est malheureusement assez importante. Ça veut dire qu'une partie du supplément d'âme et des choses utiles qu'il faut faire, il y a une partie de ça qui ne pourra jamais trouver sa place dans le monde économique, à cause de la limite que je viens d'évoquer. Merci beaucoup pour votre réponse. J'enchaîne sur une deuxième question qui est peut-être un peu plus liée au poids climatique de nos usages numériques. Vous avez toujours pour moi ou... Oui, toujours pour vous. Ça m'évoque cette question-là, notamment ce rapport du Shift Project de l'an dernier. Selon vous, est-ce que l'une des racines du problème, le fait qu'on ait pris une conscience très tardive du poids climatique de nos usages numériques, est-ce que ce ne serait pas lié aussi à cette spécialisation des ingénieurs? Aujourd'hui, les ingénieurs sont un petit peu sur-spécialisés peut-être. Et j'ai noté effectivement que le Shift Project avait lancé un projet avec le groupe d'école d'ingénieurs INSA en France pour mettre un petit peu un minimum théorique à savoir dans toutes les filières dans le climat. Est-ce que selon vous, c'est une solution possible? C'est pas une solution possible, c'est indispensable. Aujourd'hui, vous n'imaginez pas vous lancer dans la vie sans maîtriser correctement la langue, sans maîtriser correctement quelques éléments numériques de base, savoir faire une addition, une multiplication, etc. Je ne vois pas comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se lancer dans la vie en n'ayant pas un panorama de base sur c'est quoi le rôle de l'énergie dans le fonctionnement du monde moderne, d'où ça sort et où ça va, en quoi est-ce que nos activités sont dépendantes d'un certain nombre de ressources naturelles tout aussi indispensables qu'elles sont gratuites. Donc moi, j'en traite une dans mon cours qui est le climat, parce qu'on a une planète pas très loin de la Terre où il n'y a pas de climat parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, qui s'appelle la Lune. Manifestement, sur la Lune, on n'aurait pas la même facilité qu'ici à organiser ce genre de conférence parce qu'on serait tous morts. Donc, n'en déplaise à M. Musk. Donc, mais il y en a d'autres. Ils ont été évoqués, hein, la disponibilité d'un certain nombre d'espèces vivantes, etc. Donc, de ressources minérales, de sols, d'espoirs, enfin bref. Donc, je ne vois pas aujourd'hui comment on peut se lancer dans la vie avec ce que j'ai raconté sans avoir des éléments là-dessus. Alors, pourquoi est-ce que c'est vrai aujourd'hui et ce n'était pas vrai il y a un siècle ou deux?
parce qu'il y a un siècle ou deux, l'humanité était suffisamment peu nombreuse, avec une capacité unitaire de transformation de son environnement qui était suffisamment faible, et encore, pour qu'on puisse se dire, au premier ordre, l'univers est infini, enfin le monde est infini, donc ce n'est pas trop la peine de se préoccuper des limites planétaires, on est encore très très loin. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas du tout. Donc, ne pas enseigner les limites planétaires à des gens qui, toute leur vie, non seulement vont vivre avec, mais vont vivre avec de manière croissante, il me semble que c'est un énorme trou dans la raquette dans l'enseignement, dans l'enseignement supérieur. Évidemment qu'il faut enseigner ça. Et le deuxième truc qu'il faut enseigner, c'est à penser système. Dans un monde infini, on peut traiter les problèmes en silo. Et ce que je fais sur le système de soins n'a pas trop d'impact sur la façon dont je gère mon système agricole. C'est deux trucs séparés. J'ai un ministre dans chaque cas. Et puis, dans un monde infini, c'est-à-dire en croissance, j'ai plus de moyens d'un côté et plus de moyens de l'autre pour régler plus de problèmes. Donc, il n'y a pas d'effet d'éviction, ils ne se gênent pas l'un l'autre, etc. Dans un monde en contraction, les effets d'éviction sont partout. C'est-à-dire que j'ai plus ici, j'ai moins là. C'est arithmétique. Bon. Et donc, il faut absolument penser système et penser effet de bord. Et je vais finir en donnant l'exemple qui a servi à la discussion précédente, à savoir Mme von der Leyen. Madame von der Leyen est totalement à l'ouest sur le cadre économique dans lequel elle raisonne en ce qui concerne la décarbonation européenne. Elle pense que ça va se faire dans un contexte de croissance. Elle est juste à l'ouest, cette brave dame. Alors, je ne sais pas si elle le dit parce qu'elle le pense vraiment, si elle le dit parce que c'est ça qu'on attend d'elle. Par contre, si je donne ce cahier des charges à résoudre à un ingénieur, je suis sûr qu'il n'y arrivera pas. Donc, on ne peut pas résoudre un problème qui est posé de travers. Donc, la bonne manière de faire, c'est déjà de commencer par poser correctement le problème. Dernier point pour les ingénieurs qui sont dans cette salle. Si vous êtes sélectionné comme en France pour rentrer ici avec le même type d'exercice, pendant votre formation jusqu'à maintenant, vous avez appris à résoudre des problèmes qui sont bien posés et univoques. C'est-à-dire que toute l'information pour résoudre, quand on vous donne un problème de thermo, toute l'information pour résoudre le problème est dans l'énoncé, même si c'est bien planqué dans les coins, parce que sinon c'est pas drôle, la réponse n'admet qu'une seule solution. D'accord ? Le piston, il va vers le haut ou il va vers le bas, mais enfin, il n'est pas quantique, quoi, pas lui. Donc, dans les énoncés des problèmes que vous avez à résoudre, je le répète, toute l'information est dans l'énoncé et ça n'admet qu'une seule solution. Le problème dont on vous parle ce matin est un problème qui est toujours mal posé, manque toujours une composante, et tous les gens avec qui vous discuterez votre vie durant, ils n'auront toujours qu'une information partielle pour décrire le problème. Donc, tout le monde aura un problème mal posé en tête qui n'admet pas qu'une seule solution, mais une multiplicité de solutions. Donc c'est ça, il faut se former à ça aussi, à penser système, effet d'éviction et capacité à dialoguer avec des gens qui n'ont pas du tout, dont vous n'êtes pas du tout sûr qu'ils partagent votre bagage de départ sur la manière de décrire le problème à traiter. Merci beaucoup. J'en profite pour poser des questions à Monsieur Vetterli. Déjà, dans un premier temps, quelles sont les actions que mène spécifiquement le PFL sur la durabilité et le climat? Évidemment, le PFL est connu pour son activité de recherche, mais je crois qu'il y a quand même plusieurs initiatives autour de l'EPFL en tant que lieu d'enseignement, comment elle fait pour limiter son empreinte carbone. Ensuite, j'aurais une deuxième question, c'est pour rebondir un peu sur ce caractère obligatoire des cours sur le climat. Il me semble qu'en 2019, l'an dernier, une asso étudiante avait demandé à ce qu'il y ait des crédits obligatoires sur le climat. Et ma deuxième question sera de savoir est-ce que c'est quelque chose auquel la PFL a réfléchi ces derniers mois. Merci beaucoup. J'aimerais commencer par vous remercier en fait, d'avoir organisé ce forum sur un sujet super important. Donc, les organisations, la GEPOLI, Unipoli, Zéro Émission. Je pense que c'est super intéressant de se réunir et de débattre de ça, surtout au début d'une nouvelle année académique, qui est manifestement une année un peu plus compliquée que d'habitude, mais qui est aussi la suite d'une expérience de décroissance, qui est la crise Covid. Et on l'a vu dans les chiffres, on arrive à décroître, on arrive à limiter les émissions carbone. Ce n'est pas du goût de tout le monde et ce n'est pas simple, mais je pense que c'est un exercice qui méritait d'être fait et dans lequel on est encore complètement engagé. J'aimerais juste rebondir sur l'économie dans laquelle on vit, qui est quand même la question fondamentale, parce que c'est le système économique qui nous fait fonctionner. Alors, j'ai sorti une petite quote. It's time to make a shift from winner takes all mentality to shared prosperity. It's time to reset capitalism and do better for our workers. Vous allez penser que c'est le parti socialiste
ou trotskistes, etc. Non, c'était sur le Nasdaq cette semaine, c'est sur Twitter. Donc le Nasdaq, donc qui est la bourse des technologies new-yorkaises, met ça sur son site Twitter. Et puis j'envoie ça à un collègue à moi, Jean-Pierre Dantine, qui est économiste. Je lui dis non, are they serious? Et il me dit, effectivement, ça fait 50 ans que Friedman nous a expliqué avec l'école de Chicago que what matters is shareholder values. Et en fait, il y a une remise en question même dans les plus hauts étages des grandes entreprises que peut-être ce n'est pas exactement la chose qu'on doit faire. Alors, la chance qu'on a à l'EPFL, dans une école comme la nôtre, c'est que nous, on n'a pas de shareholder value. Nous, on a de la citizen value. Ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit créer de la valeur pour les citoyens, pour la société. Donc, on doit faire de la recherche, on doit faire de l'enseignement, et on est complètement libre, en fait, de se poser les bonnes questions, de les explorer, et, comme dans le milieu universitaire en général, de proposer des solutions. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, de l'autre côté, il y a une société. Il y a une société qui doit accepter ces solutions. Et je pense que là, on a encore beaucoup de challenges. Et le genre de recherche que vous faites, professeur Steinberger, c'est super intéressant parce que vous montrez, en fait, les dimensionnalités sur lesquelles on peut avoir des actions. Mais in fine, en tout cas en Suisse, qui est une démocratie, vous avez une proposition d'une taxe sur le CO2 qui est absolument nécessaire pour résoudre des problèmes auxquels on est confronté. Mais la taxe sur le CO2, je suis sûr qu'il y aura un référendum en Suisse. Il y a des gens qui vont dire c'est une horreur parce que je ne sais pas quoi, l'industrie de la bagnole va en souffrir ou quelque chose comme ça. Et donc, il faut aussi être conscient de cette dimension sociétale. Et donc, ce n'est pas pour dire qu'on ne doit pas absolument avancer dans ces dimensions-là, mais il faut être compte. C'est l'optimisation sous contrainte qui a été mentionnée par professeur Jankovici, qui est qu'on est dans un environnement dans lequel les solutions qu'on doit explorer doivent aussi être expliquées à la société et doivent être présentées sous une forme où, par exemple, en Suisse, vous devez pouvoir gagner un référendum. Ce qui n'est pas une chose simple. On va voter dans 10 jours sur un truc assez touchy. On verra comment ça se passe. Alors maintenant, je répondrai peut-être aux questions plus spécifiques que vous m'avez posées. Donc, suite à beaucoup de discussions qu'on a eues sur le campus, je vous rappelle qu'on a une nouvelle direction à l'EPFL depuis 2017, que le sujet du changement climatique et des solutions d'ingénieurs pour « fighting climate change » est très haut sur l'agenda de la nouvelle direction. Il y a toute une série de gens dans la direction qui sont impliqués dans ces questions-là depuis longtemps, pas juste depuis que c'est devenu à la mode. Et que suite aux discussions qu'on a eues aussi avec des groupes d'étudiants comme le vôtre, comme Zero Emission, on a effectivement fait trois choses spécifiques. Un, il y a un groupe de travail qui propose un Climate Action Plan pour le PFL. J'ai vu un draft qui a été réalisé cet été et avec plein de propositions. Et je vous rappelle, ça touche les 4 domaines de l'EPFL où on est actif. La recherche, donc il y a un plan pour la recherche dans la direction de Fighting Climate Change. L'éducation, et là je peux tout de suite répondre à la deuxième question, ça nous fait gagner du temps. Donc on va introduire un cours pilier à l'EPFL, comme on a les maths, la physique, computational thinking, qui adresse exactement les questions, oui, mais comment est-ce qu'on peut développer des solutions? D'abord, quels sont les problèmes auxquels on est confronté? Donc ça, c'est the basics of climate change, les questions aussi de chimie, de biologie, etc., qui sont sous-jacentes. Et ensuite, quels sont les grands défis, l'énergie, la production d'énergie renouvelable, etc. Et ça va être un cours requis pour tous les étudiants de l'EPFL. Okay. Il est en train de se former, et puis on va l'introduire comme on a introduit d'autres cours piliers obligatoires à tous les étudiants. Donc ça, c'est le climate plan et l'éducation. On a aussi un climate plan pour l'innovation. Vous savez que le PFL est très... Et ça aussi, c'est notre mission, c'est que si on trouve des solutions, qu'on a des propositions de solutions, on doit les amener dans le monde réel, et si possible, dans un environnement économique qui est celui dans lequel on vit, okay, sauf si on décide qu'on fait la révolution française ou la révolution d'octobre, ce qu'on peut toujours faire aussi, hein, c'est marrant, mais c'est assez compliqué. Et puis la transformation n'est pas simple, donc je pense qu'à l'intérieur du système, on doit essayer de prendre les devants et de proposer des solutions. Et la quatrième dimension sur laquelle on a un climate plan, c'est en fait le laboratoire EPFL. Le laboratoire EPFL, c'est 15 000 personnes, c'est une communauté très diverse, c'est une petite ville, enfin
pour la Suisse, c'est une ville de taille moyenne. Pour la Chine, ce ne serait même pas un bout de quartier d'une ville chinoise. Mais c'est quand même un laboratoire extrêmement intéressant où on peut faire des expériences, on peut essayer des nouvelles choses. On a quand même pas mal de leviers. Mais aussi, on a une population qui est très intéressante parce que c'est en grande partie, sur ces 15 000, il y en a une grande partie, c'est des étudiants. Si on arrive à leur montrer d'autres façons de vivre, de consommer ou de moins consommer ou de ne pas manger de viande, etc., ben on aura un impact, un leverage extrêmement intéressant. Donc, le climate plan, ces quatre dimensions vont être explorées. Et normalement, d'ici la fin de l'année, il sera prêt et ça tombe bien. Parce que dans la nouvelle structure de la direction de l'EPFL à partir de janvier, on a une nouvelle vice-présidence pour la transformation responsable. La transformation responsable. Parce qu'ici, on parle de changement, changement climatique, réaction de la société, solution, changement de modèle, etc. Eh bien, la transformation responsable à l'EPFL, un des deux piliers de cette nouvelle vice-présidence, c'est exactement qu'est-ce qu'on va faire pour la durabilité. Mais c'est la durabilité, comme on le voit pour les ingénieurs, j'aime bien le titre de votre conférence, c'est « Le climat, résoudre les problèmes de climat, c'est le nouveau défi des ingénieurs ». Donc, ce n'est pas faire des apps pour faire des gadgets, etc. C'est vraiment la responsabilité de l'ingénieur de proposer des solutions à ce défi absolument monstrueux que vous avez extrêmement bien expliqué. Et donc, avec ça, on aura une vice-présidence transversale à l'EPFL qui s'occupe de durabilité, qui va implémenter le climate change, qui va prendre la responsabilité que la formation tienne compte de ces éléments-là, etc. Et donc, je pense, dans ce sens-là, on avance dans la bonne direction. J'espère que ça sera reconnu comme tel. Et je suis super optimiste qu'effectivement, on peut en fait être in a leadership position là, parce qu'on a une vue très cohérente de ce problème et qu'on a les capacités, j'espère, d'avancer très vite. Merci pour cette réponse très détaillée. Peut-être que du coup, on va passer à Madame Steinberger, vous poser quelques questions. Moi, sur la dernière slide de votre présentation, où vous évoquez les mouvements comme Extinction Rebellion, qui ont réussi à bloquer effectivement des imprimeries au Royaume-Uni, la question que je me pose, c'est... quelle est la place de l'ingénieur dans la cité par rapport à ça? Est-ce que l'ingénieur, aujourd'hui, doit-il être militant? C'est presque la question qu'on se pose. Un bon ingénieur, un ingénieur qui arrive en début de carrière, souvent, il cherche un travail. Effectivement, comme M. Jancovici l'a dit, il va essayer de choisir un peu dans quel secteur il va travailler, en fonction de ses convictions. Mais comment peut faire l'ingénieur? Est-ce qu'il doit être militant? Est-ce que c'est un prérequis inévitable? Ça va être une réponse courte. Moi, je pense qu'il faut tous qu'on devienne militant, parce qu'une des façons dont on comprend un système, en fait, comme je suis tout à fait d'accord, je rejoins le point de M. Jancovici, qu'il faut absolument qu'on ait une approche systémique et qu'on commence à réfléchir de façon systémique. Et les systèmes sont, par définition, difficiles à comprendre. Et une fois qu'on a compris un système stable, on ne sait pas comment le changer. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelles sont ses limites de changement, à moins d'être militant. Donc, à moins qu'on rentre dedans un petit peu, on ne comprend pas ce qui peut être changé. Et je pense que c'est essentiel pour nous tous, pendant tous nos domaines. Moi, je suis passée d'une discipline à l'autre, je ne sais même pas où je suis arrivée maintenant. Mais la seule façon dont je réussis à comprendre les problèmes qui m'intéressaient, c'est en essayant de casser un peu ces limites pour dire, mais si on va voir ailleurs, qu'est-ce qu'on apprend sur cette question-là? Et ça, je pense que c'est aussi le rôle du bon ingénieur. J'aimerais, et du bon scientifique, ou de la bonne scientifique, j'aimerais aussi proposer une autre définition d'ingénieur ou scientifique. Ce sont les gens qui essayent de résoudre les problèmes, donc les problem solvers. Mais il faut se donner le droit de redéfinir ce que c'est que ce problème. Parce que souvent, on arrive avec la définition d'autrui, et ça ne marche jamais bien. Donc en fait, faire notre travail correctement en tant que citoyen, être humain, avec les connaissances que nous avons, n'est pas possible sans essayer d'affronter de nouveaux domaines. Je voulais apporter un point supplémentaire sur ce qu'a dit M. Jancovici par rapport à entrer dans une entreprise. Ensuite, dans un secteur, est-ce qu'on arrive à faire quelque chose si on est dans le mauvais secteur? Et je pense qu'il y a des exemples très intéressants de travailleurs. Vous avez utilisé quel mot qui était des... j'ai oublié, pas rebelles, qui étaient...
Militant peut-être. Militant, oui. Par exemple, les travailleurs à Amazon sur le climat. C'est-à-dire que les travailleurs à Amazon sur le climat ont demandé à Amazon d'avoir une action cohérente sur le climat. Et se sont rendus compte que Jeff Bezos, donc, qui est le grand patron, l'homme le plus riche de la planète, donc c'est vraiment ses employés, quelques centaines de ses employés contre l'homme le plus puissant de la planète, et ont découvert qu'il n'avait vraiment aucun intérêt à ça, et qu'il était en train de poursuivre ses autres initiatives, etc. Et ces personnes ont réussi à avoir un impact énorme sur la façon dont ce secteur est perçu, est communiqué, et même aux actions internes de cette entreprise. Donc sans être à l'intérieur et avoir cette voix à l'interne qui demande de la cohérence et de l'action, ils ne seraient pas du tout arrivés au point où ils en sont arrivés, qui était avant de se faire virer, bien sûr. Mais quand les deux chefs meneuses de ce groupe se sont fait renvoyer d'Amazon, les candidats à la présidence américaine en ont tenu, du côté démocrate en ont tenu compte et ont critiqué Amazon de l'avoir fait. Donc ça s'est monté très très haut par rapport au profil de cette aventure. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Le côté du profit et de l'économie actuelle dans laquelle nous sommes, devoir faire un profit, c'est quelque chose que certaines entreprises qui sont parmi nous se donnent le droit de ne pas faire de façon assez courante et elles demandent beaucoup de subsides à l'État. Donc ça, c'est une chose à se poser la question. Est-ce que ces entreprises-là, qui sont souvent des entreprises qui consomment mal d'énergie fossile, est-ce qu'on devrait leur donner ce droit qu'elles se donnent de ne pas avoir de profit? Ça, c'est une question. Et l'autre point, c'est que la question du profit et de comment on le définit, ce n'est pas nécessairement une question... qui ne nous donne pas le droit d'avoir une survie planétaire. Parce que le profit, c'est une... On n'a pas besoin de tourner un très très gros profit, juste un profit suffisant. En France, ça ira. Ensuite, on peut continuer à agir. Donc c'est la question de la viabilité économique est une question qui n'est pas une question absolue, ça se négocie. Donc ça, c'est un autre point. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter, revenir de manière un peu plus concrète, Madame Steinberger, sur l'exemple que vous avez utilisé, notamment sur la suradaptation de la société à la voiture. Il y a une question dans le public qui est assez intéressante, je vais vous la lire. Moi, j'avais prévu de vous poser la question de quels sont nos leviers d'action dans ce contexte pour, à notre niveau, déjà agir et essayer de nous sortir de ce système. Et la question du public, c'est... Comment faut-il se comporter pour ramener l'écologie rationnelle au centre de la discussion plutôt que, je cite, des pistes cyclables, des arbres urbains et du bio? Voilà. Comment, finalement, est-ce qu'il faut avoir une hiérarchisation des actions ou est-ce que finalement n'importe quelle petite action est mieux que rien? Comment on se positionne dans tout ça? Alors, il y avait beaucoup de questions là-dedans. Je pense qu'un des points primordiaux qu'on a essayé de faire avec cette étude, c'est d'abord de ramener à l'intérieur du problème l'industrie automobile l'industrie des routes et des parkings et de montrer son rôle. Alors, par exemple, à Manchester, ça a été très intéressant parce que le conseil communal, enfin le conseil de ville, siège par défaut dans le conseil des parkings de la compagnie des parkings, qui est une compagnie privée, dont une partie des profits est ensuite reversée au conseil. Donc, il y a des espèces d'alliances politiques qu'il faut absolument problématiser, il faut casser tout ça. Donc, il faut casser le rôle de la voiture, il faut casser le rôle de l'industrie automobile. Et la façon dont ensuite on peut vivre sans voiture, c'est pas très compliqué. Il faut absolument faire revenir les transports publics et les faire agir d'une manière tout autre qui sont conçus maintenant, qui sont restés fossilisés dans la façon dont ils étaient... organisés depuis des décennies. Donc ça, c'est quelque chose... une fois qu'on a décidé que la voiture n'était pas la solution, les solutions, on les trouve ailleurs. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand on a fait les assemblées citoyennes sur le climat à Leeds et dans d'autres villes du Royaume-Uni, la question de la voiture et du droit à la voiture, du droit à la ville, du droit à la mobilité s'est posée très fortement parce qu'on a aussi demandé à des personnes de mobilité réduite de venir et de participer. Et ce qui est devenu très très clair pour tout le monde, c'est que la voiture en tant que technologie est essentielle pour certaines classes de la population. Ça n'a pas besoin d'être des voitures à combustion interne. Et qu'elles auront beaucoup plus de place et beaucoup plus de mobilité et beaucoup plus de droits à la ville quand le 99% des personnes qui utilisent une voiture qui n'en ont pas vraiment besoin
au même titre sans se débarrasser. Donc ça, on a des façons, on peut créer des autres visions de la ville et de la mobilité qui sont beaucoup plus inclusives et efficaces, ça c'est clair. Merci beaucoup. Comme on est déjà un petit peu en retard, j'ai parcouru rapidement les questions du public et j'identifie deux grandes questions. Peut-être qu'on pourra y répondre un petit peu en tour de table. Vous répondez selon si ça vous inspire des réactions. La première question, c'est celle des hautes technologies, on va dire, le développement de tout ce qui est high-tech. Comment on se positionne? Voilà, il faudrait peut-être redévelopper les low-tech. D'un point de vue économique, comment on fait à un moment où finalement la valeur économique est quand même pas mal adossée au secteur des high-tech? Première question, comment on fait? Et une autre grande question qui se dégage, c'est finalement, faut-il laisser aux sociétés privées et aux politiciens l'initiative du combat? Et comment, encore une fois, les jeunes ingénieurs se posent des questions sur comment s'insérer dans ce combat-là, où j'imagine qu'il y a une certaine impuissance. Bien souvent, on se dit que bon, on voudrait que les sociétés privées et les gouvernements agissent, on imagine qu'ils n'en font pas assez. Une question très générale, mais je ne sais pas ce que ça vous inspire. Qui veut Peut-être Monsieur Vetterli qui... Alors je pense, si vous voulez, parce qu'on parle ici aussi de métiers qu'on peut prendre, etc. Je vois deux grands domaines qui se confrontent. Un, c'est le domaine de l'énergie qui est lié à la physique. Okay. L'autre, c'est le domaine de l'information, traitement de l'information, etc. Alors dans le domaine de l'information, il y a un truc qui s'appelle Moore's Law, qui fait qu'on a vu des révolutions incroyables. Elles sont peut-être complètement nulles, et c'est plein de gadgets, etc. Mais c'est quand même des révolutions qui sont incroyables sur notre compréhension du monde, sur notre action sur le monde, etc. Du côté de l'énergie, parce qu'on est dans les lois physiques, à moins que Fusion Research delivers dans les quelques prochaines années, ce qui peut probablement arriver, mais il faudra encore attendre un moment, on voit que dans la confrontation de l'information et de l'énergie, en fait, et on ne sera peut-être pas d'accord sur le panel, mais à mon avis, il y a des opportunités. Si vous regardez la consommation d'énergie, deux tiers de la consommation d'énergie, en fait, est perdue en route, est perdue par le manque d'isolation, les pertes de transport, etc. Donc, par exemple, d'optimiser la valeur énergétique en utilisant les sciences de l'information, ça permet pas de résoudre le problème, parce que je sais qu'on ne va pas mettre un sparadrap sur un autre sparadrap, mais en tout cas, de nous aider à maîtriser le problème dans lequel on est. Et là, je pense que pour les ingénieurs, les scientifiques qui sortent, il y a des opportunités où on peut vraiment faire du travail de recherche, de développement, etc., qui peut être extrêmement positif. Et je pense que c'est ça qu'on doit aussi, ça c'est le genre de choses auxquelles on doit réfléchir. D'habitude, je dis, vous savez, on dit en français, les scientifiques cherchent des problèmes, les ingénieurs résolvent des problèmes, et on doit arriver à trouver ce middle ground où on comprend la science, mais dans la formation qu'on donne aux ingénieurs, en parlant des vrais problèmes auxquels on est confronté pour le 21e siècle, on leur donne les outils pour essayer de résoudre les problèmes, tout en sachant qu'on est au milieu d'une société qui est complexe et que les ingénieurs sont juste un des éléments de changement. Merci beaucoup. Malheureusement, Madame Dixon a dû se déconnecter. C'est dommage, j'aurais bien aimé avoir son avis sur la question « Peut-on laisser aux politiciens l'initiative de changer le monde ?» Vaste programme. Je ne sais pas si Madame Steinberger et Monsieur Jankovici, du coup, ces deux questions vous font réagir. Alors, je pense que je vais juste faire ma réponse. D'un point de vue, je pense que c'est la même réponse que j'avais avant. Il faut que tout le monde devienne militant, il faut que tout le monde se charge. Donc, on ne peut pas laisser la responsabilité de sauvegarder ce qu'on peut de la planète à exactement personne d'autre. Donc, il faut que chaque personne se responsabilise par rapport à ça, comprendre le problème aussi bien que possible et comprendre ce qu'on peut faire, nous, en tant qu'individu, en tant que collectivité, faire autant que possible. Et puis, j'ai oublié de remercier les organisateurs, mais les organisateurs et les groupements d'étudiants sont primordiaux dans ce sens, on l'a bien vu. Par rapport aux technologies, une chose qui est super intéressante, et qui n'est pas assez abordée systémiquement dans aucun des cadres des négociations climatiques, c'est que les technologies qui s'orientent vers la demande énergétique et la demande efficace énergétique ne sont pas du tout financées et recherchées au même niveau que les technologies qui sont du côté de la production et de l'utilisation, par exemple dans les voitures, dans les centrales, etc. Donc, il y a
un fossé et un grand trou à combler dans l'utilisation efficace de l'énergie, où peut-être les technologies de l'information ont tout leur rôle à jouer, parce que souvent, on installe quelque chose et ça ne marche pas comme c'était prévu, parce que, surprise, c'est dans un système différent, avec des acteurs différents, avec des comportements, etc. Et donc, je pense que là, il y a quelque chose, un travail faramineux à faire, parce que si on arrive à décroître la consommation énergétique aussi autant que possible, en maintenant un niveau de vie aussi élevé que possible et un niveau décent de vie, ce sera parce que ces technologies efficaces fonctionnent. Si elles ne fonctionnent pas, ça ne va pas marcher. Et donc, il faut les développer, il faut les tester, il faut comprendre comment elles interagissent avec le reste du fonctionnement de la vie quotidienne de tout le monde. Et ça, je pense que c'est un grand défi, un défi très, très intéressant à relever. Peut-être le mot de la fin. Non, ce n'est pas un mot de la fin, je vais faire une petite expérience. Je voudrais que dans la salle, lève la main tous les gens dont les parents travaillent ou ont travaillé dans une entreprise ou une administration. Alors, soit les autres n'ont pas de parents, soit... c'est presque tout le monde. Hein. Inversement, lève la main maintenant les gens dont les parents sont responsables politiques de niveau élevé, on va dire. Bon, il n'y en a pas. Alors, cette petite expérience m'amène à vous dire une chose absolument évidente, c'est que ce que vous appréciez avec vos sens dans votre vie de tous les jours, c'est la situation dans laquelle les gens travaillent dans un cadre dans lequel il y a un chef. D'accord ? Dans une entreprise, dans une administration, il y a un chef. Moi, je suis patron d'entreprise. J'embauche des gens pour faire un certain métier. Si demain matin, ils disent « Non, ça ne m'intéresse pas de faire ça, je veux louer des vélos ou vendre des carottes », je vais leur dire « Non, la porte de sortie est par là, parce que ce n'est pas pour ça que je vous ai embauché. » Donc, on a tous en réflexe une situation dans laquelle, quand les gens travaillent, il y a un vrai chef, et il suffit de s'adresser au chef et que le chef change d'avis, et à ce moment, la troupe suit. Malheureusement, la politique, ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est pour répondre à la question « Faut-il laisser aux politiques ?» L'entreprise est un système avec un vrai chef et une administration est un système avec un vrai chef. La politique, c'est un système sans chef, c'est un système remontant. Et du reste, en Suisse, vous êtes particulièrement bien placé pour savoir que c'est un système remontant, puisque vous pouvez faire des votations sur la couleur du vernis à ongles où est-ce que les chiens ont le droit de pisser, ce qui est une très bonne chose, parce que vous avez une maturité que beaucoup de gens vous envient sur la capacité à isoler une question technique du reste du fonctionnement de la société et à la traiter en tant que telle, c'est-à-dire en faisant bien la différence entre la question à traiter et les gens qui pilotent l'action derrière. Nous, en France, on est incapable de faire ça. De Gaulle l'a appris à ses dépens. C'est-à-dire que quand un responsable politique fait un référendum, les deux tiers de la personne répondent à la personne qui a posé la question et pas à la question. Hein ? C'est un test d'amour, un référendum en français. Est-ce que vous m'aimez, en fait ? C'est ça la question. Et alors, si les gens répondent non, en fait, quelle que soit la question, c'est non. Quoi. Bon. Vous avez une maturité politique, mais je pense que c'est le fruit de votre histoire, qui fait que vous êtes capable de ne pas fonctionner comme ça. Mais c'est assez rare, c'est plutôt une exception dans le monde que la règle. Donc les systèmes politiques sont des systèmes remontants. Donc en fait, la question qui est, est-ce qu'on peut laisser aux politiques, mauvaise question, on ne leur laisse pas, de fait. Le politique, il est déjà dans une situation d'arbitrage, c'est-à-dire qu'il va regarder les signaux qui remontent de la société civile, et pour prendre la taxe carbone, si au lieu d'avoir les gilets jaunes qui avaient dit « ta taxe carbone, on n'en veut pas », les gens avaient défilé dans la rue en disant « on a la trouille du changement climatique, on veut la taxe carbone », le même, je peux vous assurer, le même, très exactement le même, aurait fait exactement l'inverse de ce qu'il a fait. Donc l'idée qu'on laisse aux politiques le soin d'agir, c'est un leurre, c'est pas vrai, ça n'est pas vrai. Ce qui fait que le politique va pousser dans un sens ou dans l'autre, c'est les pressions de la société civile. Alors, les pressions de la société civile s'organisent de plein de manières différentes. Et effectivement, les entreprises, c'est un vecteur de pression très important. Et en gros, le gros chantage, c'est leur activité et l'emploi. Hein. Si vous m'emmerdez, ça va faire des chômeurs, etc. C'est les consommateurs. Les consommateurs sont des... Et en général, ils sont vieux, du reste. En France, l'UFC que choisir, c'est une bande de retraités. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est de se préoccuper du prix de leur télé. Donc, ils emmerdent tout le monde pour que les prix soient les plus bas possibles. Vous avez... Etc. Là, j'ai une toute petite expérience. Ça fait 20 ans que je fréquente le monde politique français. Et je sais... Bon, alors, j'ai discuté avec des gens qui fréquentent d'autres mondes politiques dans d'autres démocraties occidentales. Il y a des variantes dans la mise en œuvre, mais dans les principes fondamentaux, on est toujours dans le Tocqueville, hein, partout. Et donc, les lobbies, dont The Ship Project essaye de faire partie, très clairement, hein, mais Greenpeace, comme l'Union des industries chimiques, en font partie. Donc, tous ces gens-là sont des lobbies qui essayent d'influer sur la manière dont se prend la décision publique. Et donc, nous sommes tous, de gré ou de force, par nos sondages, par nos comportements, etc., dans cette pression exercée
sur les responsables politiques. Donc, sortez-vous de la tête, si tant est que la question y est, enfin, que les politiques vivent leur vie indépendamment de ce qui se passe aux étages en dessous. Alors, le drame, juste, il y a quand même un drame dans un certain nombre d'États, c'est qu'une fois que les gens rentrent en fonction, ils n'ont plus une minute pour se former. Et donc, ils vont exercer leur mandat avec le formatage logiciel qu'ils avaient en entrant en fonction. Et donc, progressivement, au fil de leur mandat, ils vont entrer en décalage croissant avec l'état de la société civile. Donc, moi, j'ai une petite maxime qui est que les élus sont un très bon reflet de l'opinion avec 50 décalages. Voilà. Et alors, comme il y a 50 décalages en permanence, c'est un état permanent, on a toujours l'impression qu'ils n'ont rien compris. Si, ils ont très bien compris il y a 5 ans. Voilà, c'est ça le problème. Mais je le redis, ils sont l'expression de nos propres contradictions. Il ne faut pas se faire d'illusions. Quand on réclame à la fois le fait que tel machin coûte moins cher et qu'il faut s'occuper du climat, on ne se rend pas compte, dans un certain nombre de cas de figure, qu'on est en train de réclamer tout et son contraire. D'où j'en reviens, et je suis tout à fait d'accord, l'ingénieur doit être militant. Il y a une maxime célèbre d'un vieux philosophe français qui est « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». D'accord ? Donc l'ingénieur non militant, c'est une aberration. L'ingénieur doit être militant, il doit savoir au service de quoi il est. Merci beaucoup. C'était vraiment très, très complet. Je pense qu'on a fait un bon panel pour aller plus loin. Voilà, n'hésitez pas à aller parcourir les cours de M. Jancovici ou à aller parcourir les publications de Mme Steinberger et son équipe. Je pense qu'on ne va pas tarder à devoir clore. Peut-être avant de finir et de tout ça pouvoir aller manger, je vais accueillir sur scène Mishka Mello, qui est coordinateur de la Climate and Sustainability Action Week, le PFL, qui va un petit peu présenter les différentes actions qui seront menées. Bonjour à tous. Je vais être très très bref parce que c'était à la fois passionnant et dense. Merci beaucoup aux orateurs, oratrices, Monsieur Vetterli d'être présent aussi pour un sujet aussi important. En gros, ce que moi je vais vous présenter dans les 5 prochaines minutes, c'est une piste d'action concrète, une nouvelle initiative de l'EPFL qui se lance mardi prochain et dans laquelle vous pouvez concrètement commencer à devenir ces ingénieurs militants qui ont été appeler des vœux de nos invités, donc la Climate and Sustainability Action Week. Donc pourquoi ? C'est pas pour rien qu'on est dans cette salle, c'est qu'il y a des étudiants, entre autres, mais notamment des étudiants qui ont organisé cet événement et qui sont aussi dans la rue depuis plusieurs années maintenant pour revendiquer une prise en compte plus importante de cette question climatique. Et dans ce mouvement-là, il y a aussi un mouvement, on va dire, parallèle et qui va dans le même sens, d'une volonté de l'école d'encourager plus de projets qui sont menés par les étudiants eux-mêmes, parce qu'on pense que c'est une très bonne façon pour vous de vous former à justement devenir des ingénieurs proactifs. Donc qu'est-ce que c'est que cette semaine ? L'idée, c'est d'avoir 5 jours durant lesquels on va commencer par très bien comprendre un problème, et on veut insister là-dessus, ça a été très largement dit aussi aujourd'hui. C'est très important de bien comprendre les problèmes, surtout quand ils ne sont pas univoques, comme ça a été cité, avant de les aborder, pour ensuite faire émerger des pistes de projets concrets que vous pouvez déployer dans un temps plus long. Parce qu'évidemment, en une semaine, on arrive rarement à des solutions miraculeuses. Donc du coup, pour ça, on va s'appuyer sur les programmes qui existent déjà dans l'école, le programme PEIC, le programme Hack for Change Lab, programme EPFL Changemakers et d'autres, des projets de semestre, des projets de master, dans lesquels vous pourrez déployer ces pistes d'action sur un temps plus long. C'est pour qui ? C'est pour tous les étudiants bachelor et master de l'EPFL, sans distinction de section. Et quand est-ce que ça a lieu ? Donc on aura un premier pilote avec 30 étudiants qui aura lieu en février 2021. L'idée, c'est qu'on a vraiment envie que vous soyez partie prenante de la création de ce format. On sait que vous avez une forte demande sur ces questions d'éducation à la durabilité. On a envie de vous inclure dans la constitution du format. Donc, on lance un processus de co-création du format dès mardi prochain, 22 septembre à 18h. Et du coup, vous êtes les bienvenus à rejoindre ce processus de co-création pour vraiment qu'on crée une semaine qui vous convienne. Si ce pilote fonctionne bien, l'idée, c'est de commencer une édition à taille réelle en septembre 2021 avec 100 étudiants. Ça aura lieu ici, sur le campus et aux alentours. Qui est derrière cette initiative ? C'est une initiative fondamentalement collective qui implique plusieurs vice-présidences de l'EPFL,
le Collège des Humanités, le groupe de durabilité, des membres de la faculté ENAC. Elle a déjà été soutenue par la vice-présidence pour l'éducation et la task force qui a été évoquée par M. Vetterli sur le climat et la durabilité. J'insiste encore une fois, c'était le mot d'introduction de Carla aussi. L'idée, c'est qu'ensemble, c'est comme ça qu'on pourra faire la différence. On ne veut pas se limiter à inviter des spécialistes de la durabilité comme ceux qui ont organisé l'événement aujourd'hui. Vous êtes évidemment les bienvenus et vous aurez un rôle très important. Mais nous voulons aussi ouvrir à ceux qui s'intéressent à l'innovation, à l'entrepreneuriat, qui s'intéressent au prototypage. Toutes les sections sont bienvenues. On a déjà contacté ces associations-là. N'hésitez pas à nous contacter si ça vous intéresse et qu'on ne vous a pas encore contacté. Trois pistes d'action concrètes pour finir. La première, n'hésitez pas à rejoindre l'équipe de co-création. Donc, le lancement, encore une fois, a lieu ce mardi 22 septembre à 18h. Toutes les infos et l'inscription aussi pour gérer le traçage Covid est sur le site. Participez au pilote. Vous pouvez d'ores et déjà vous préinscrire appliquer pour participer au pilote en février. Encore une fois, il y a 30 places. Si on en croit la jauge d'aujourd'hui, ça risque d'être serré. Inscrivez-vous nombreux et on verra comment on essaye d'accommoder au maximum pour que tout le monde qui souhaite puisse participer. Enfin, restez en contact simplement si vous voulez suivre un peu l'initiative dans un premier temps avant de savoir si vous voulez nous rejoindre. Notre site internet, la page sur le site de l'EPFL et l'adresse email pour toute question. N'hésitez pas à nous contacter et je vais rester aussi un petit peu en bas de l'estrade après si vous avez des questions directement. Voilà, merci pour votre attention pour ces quelques minutes et du coup je repasse la parole à la modératrice. Oui, bon, de toute façon, moi je vais remercier encore une fois nos panélistes sur site et à distance. Je pense que ça nous a permis vraiment de faire un overview assez complet, même si on a posé beaucoup plus de questions qu'on a pu y répondre, mais voilà, au moins, c'est des questions que vous aurez, j'espère, en tête pour les prochaines années. Merci beaucoup pour votre attention, en tout cas.